Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode de Stellaris, toujours en compagnie de Boobie. Salut Boobie. Salut. Donc là nous sommes aux portes de la guerre en ce qui me concerne, toujours plus de guerre et on va y aller. Alors on check un peu la flotte en face, hein. Voilà, petite flottille, hein. Petite flotte, hein. Petite flotte, hein, avec du croiseur, du... Oh elle est bien rangée, hein, frégate, tout ça, elle est jolie, hein. Alors que de mon côté... De mon côté, c'est un peu plus moche, quoi. C'est moins le style. D'ailleurs, on va faire des corvettes autant qu'on est évêque puissant. T'as vu quand tu zoomes sur leur vaisseau, ils ont des morceaux de météorites, on dirait qu'ils ont sur leur vaisseau incorporé. Je sais pas si tu vois. Ah, quand attends, tu zoomes sur les gros. Les voir. Tu zoomes sur les gros et en fait, ils ont des ils ont utilisé des morceaux. Ah oui, c'est stylé. C'est un truc pirate, tu vois. Ah, oh, j'avoue, ils sont stylés. Ah oui, c'est vraiment que sur les gros. Les petits l'ont pas. Ah oui, les gros, c'est deux astéroïdes avec des plateformes entre deux, quoi. Ouais, c'est ça, mais... Ta défense, quoi. Je me déplace avec des vaisseaux lune. Et alors, tu vas faire quoi? C'est un peu ça, ouais. C'est pas un peu ça, mec, c'est ça. C'est complètement... Leur flotte, c'est... Leur station, c'est aussi comme ça, en fait, je crois. Ok. Bah écoute, moi, je suis prêt à faire la guerre. C'est quand tu veux. Bah écoute... C'est reparti. C'est reparti. Je te souhaite bonne chance, mon ami. Moi, je vais rentrer en guerre aussi prochainement aussi. Allez, c'est parti, go. Voyons ce combat, je laisse en normal, hein. Histoire du combat. Oui. Ils arrivent. Moi, pendant que ça combat, je vais explorer. Ça fait qu'on a rien à foutre, quoi. Moi, pendant que ça combat, j'explore. Allez, ils arrivent dans ton territoire, là, bientôt. Construction complete. Pose d'observation détruit. Ah. Pourquoi? Tu t'es fait casser un truc? On dirait. C'est vilain, ça. Ouais, je trouve aussi. Je pourrais les agresser juste à la sortie du saut. Ah, ça y est. On se fait attaquer. C'est la teuf au village. Quoi? Oh, ah, ils attaquent ma station minière, vous êtes pas drôle. Ils ont pas du mou. Mining station lost. Voilà, ça y est, ils m'ont détruit une mine, ils sont contents. Voilà, ça fait des petits rayons piou-piou que laser. C'est ouf. Oula, j'ai très peu de chances de gagner, officiel. Ah oui, mais c'est parce que c'est régi en flotte par flotte. Ah. Allez, faut que mes officiers fassent la différence. Alors voilà, je vous explique la bataille. Alors ça fait piou piou, piou, piou 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 piou. Là on a vu que ça faisait piou piou, piou piou piou. J'ai vu aussi un piou piou, je crois. Par contre, j'ai pas vu de missile. Ah si, c'est les missiles de la base. Aïe. Ça fait des piou-piou, hein. Il y avait beaucoup de piou-piou. La première garde, elle a pris un tarif. Ah oui, clairement, ouais. Clairement. Voilà, ça tombe comme des mouches, hein. Ils sont en 7,2, donc ils tiennent encore, hein. C'est pas le souci, ils tiennent encore pas mal, mais... C'est les grosses classes qui tiennent, quoi. C'est les gros qui tiennent. Clairement, de leur côté. Ouais, les gros, ils sont. Bah, les pillards tiennent aussi pas mal. Je sais pas si on attaquait du croiseur. Ouais, il y a des croiseurs qui commencent à faire la gueule. Hein. Ce serait bien. Et là, tu vois, quand je suis sur la base stellaire, c'est moi qui ai plus de chances de gagner. Officiel. Ah ouais? Ouais. Bah, tu vas péter un croiseur. Tu vas leur péter un croiseur. Ça y est. Vas-y. Casser un croiseur. Presque. Ah, c'est bon. C'est bon, oh, t'as pété un croiseur, ça c'est bien. Là je vais en faire tomber plusieurs. Là il y en a un autre, il est aux portes de la mort aussi. Ah bon? Là, on le voit, ça y est, il y en a un qui vient de tomber. Un autre croiseur? Ouais, il y a un autre croiseur qui vient de tomber. Je le vois pas. Non, 1, 2, 3, 4. Non, il reste encore 3 croiseurs, c'est une frégate que j'ai explosé, excuse-moi. C'est une frégate que j'ai explosé. C'est les croiseurs, c'est du bête les croiseurs, franchement. C'est bon. Y'a là t'as enlevé. Même les frégates, hein, les frégates, attention, ça a une bonne puissance de feu. Hein. C'est moins solide, mais c'est une bonne puissance de feu. Donc quand je tombe une frégate, je me mets bien. Tu viens d'enlever les derniers blindages d'un des croiseurs. Le croiseur Ritfar. Le Ritfar. Bah, les missiles. Les missiles vont dessus. Faut que tu leur pètes un deuxième croiseur. Là, il va avoir flou. Ah, ils ont pété ton blindage là, c'est sûr. Allez, pète le croiseur, putain. Mettez-moi ce croiseur, il a plus de 1600 points de vie.
Est-ce que je peux t'ordonner de mettre le feu là-dessus? Ah, tu peux pas lui ordonner de viser une unité. Non. Ça, c'est un peu triste. Je suis un peu triste. Là, il y a un frégate qui prend tarif aussi, et là, il a plus de bouclier, tout ça. Ah, il y a des missiles qui vont sur le croiseur de nouveau là. Ah oui, vas-y, commence à tirer sur le croiseur. Allez, missiles qui vont sur le croiseur là. Il tient le croiseur. Hein. Il tient. Là, il y a un croiseur et une frégate, ils sont quasiment gratuits. Hein. Faudrait les démolir. Le problème, c'est que la station a arrêté de faire des unités. Il va falloir qu'on aille à Chronos. Putain, il a 900 points de vie le croiseur là. Ah, il est pas frais. 700. Quoi? C'est quelle station qui est en guerre là? C'est bien celle-là? Ah, plus putain. De... Il a eu. Le problème, c'est qu'il va récupérer ses. Si, il y a encore un combat, ok. Il va récupérer ses. Il est tout, je crois, non? J'ai mes unités. Okay, il va récupérer pas plein d'âge, mais. Ah, ça y est, ils ont vaincu. Ils ont vaincu. Ouais. Il n'y a plus de résistance. Il n'y a plus aucune opposition. Et mes flottes sont en déroute. C'est la pilule. C'est la pilule. Enfin, c'est la pilule. Non, tu l'auras fait mal, mec. Attends, la moitié. Ouais. Il y a un croiseur. Il reste un quart de vie à un croiseur. Ouais, mais le problème, c'est qu'il va récupérer ses boucliers et son blindage. Il va récupérer son bouclier. Le blindage, ça a pas l'air d'être trop ça pour l'instant. Hein, mais ouais, les boucliers, il est en train de les récup. Pourquoi il se heal? Comment ça se fait qu'il se heal? Je comprends pas pourquoi il se heal. Alors, on peut pas voir genre les... Ah si, on peut voir les détails. Je vais juste regarder leur... Ah, les enfants. Alors, il y a un truc qui est super bien. C'est le métal vivant. Le métal vivant, donc ça se... Il se régénère, tu vois. Les coques et tout. Et c'est trop bien d'en avoir. Il se dirige où? Je veux voir, moi. Il se dirige à Asakis, les bâtards. Ouais. Ils ont eu plus gros raid repoussé. Les lourds dommages infligés à la flotte Magar ont suffi à faire réfléchir ces guerriers. Après avoir étudié les possibilités qui s'offraient à eux, ils ont apparemment décidé de renoncer au raid et de se retirer de leur propre espace. Bravo. Bien joué. Voilà. Même si t'as perdu un truc, ça m'a coûté cher, mais Runewand, je les ai mis d'accord. Ils étaient prêts à sauter à Sakis. Ils ont vu le premier corps expéditionnaire commencer à se reformer. Ah oui, parce que la première garde, elle s'est reformée aussi. T'as vu genre, je sais pas si tu vois sur leur flotte là, quand ils zoom un peu dessus, ils se régénèrent. Je sais pas si tu vois. Donc ça, c'est le métal vivant. Ouais, c'est. Et c'est hyper bien quand t'es en guerre parce que genre ça t'empêche genre si t'as des stations qui avec un station port. Tu t'autorais pas en fait. Tu attends sur place en fait, ça t'évite de faire tout le trajet. Et ouais. Hein, c'est pas mal. Et ça, c'est trop bien. Le métal vivant en plus, j'en ai dans mon territoire, mais je peux pas encore l'exploiter. Moi non plus, je peux pas là. Est-ce que j'en ai, il me semble, du métal vivant? C'est les cristaux noirs, c'est ça? Non, c'est une espèce de tache d'encre bizarre. Attends, je crois que j'en ai. Attends, je vais regarder les ressources stratégiques. Regarde. J'ai du. Non. Je sais, j'en ai ou j'en ai pas? Parce que ça, si tu peux en avoir, c'est bien. Et si j'en ai deux, tu vois, je t'en donnerai un, au moins t'en as. T'en donneras un à chaque fois, au moins tu peux te régénérer tes vaisseaux en guerre. Parce que... Mais c'est bien, tu les as repoussés, c'est cool. Ça, c'est bien. Oui, on les a. Je leur ai reboté le cul, ça fait déjà plaisir. Et puis je vais renforcer là, par tout de suite mes flottes et ça va bien se passer, quoi. Niveau énergie, tu dois être pas trop mal. Je suis encore à moins 11, hein. Je suis en négatif, moi, tout le temps. Ah ouais, d'accord. Mais je peux résoudre le problème en arrêtant de construire de la défense déjà. Allô. Je remets ma défense rapide. Ouais, vas-y, je t'en prie. Il ne veut plus m'annuler ma défense. Si, c'est juste qu'il met du temps à communiquer avec le serveur, il a du mal. Flotte hostile présente. Quoi? J'ai une flotte qui m'attaque là? Ouh. Non, c'est la flotte de Magar qui se barre, d'accord. C'est le mec qui a du mal. Ouais, solde négatif, on est au courant. Ça répare tout. Ok, il n'y a pas de souci. Pourquoi j'ai une deuxième flotte expéditionnaire? Ah oui, parce que du coup, c'est encore en train de construire des vaisseaux un peu partout. Je pense que je vais arrêter la construction de vaisseaux. Parce que de toute façon, on va bientôt quitter le système des corvettes. Hein. Ça va bientôt finir pour moi, les corvettes. Les corvettes, là, il en faut tout le temps. C'est
Faut un peu de tout, de toute façon, dans les... Oui, il faut un peu de tout, mais bon, là, je veux dire, des corvettes, en vrai, j'en ai assez, hein. On va peut-être, peut-être arrêter les conneries. Ah, annule-moi tout, là. Allez, essaie de suivre, là. On va faire fusionner toutes les flottes ensemble, ça va être pas mal. Oui, je vais tous vous envoyer, d'ailleurs, à Kronos. Alors, pour la guerre, je vais demander à un empire marchand de me filer de l'énergie en base de minerai. Je souhaiterais acheter de l'énergie contre du minerai, s'il vous plaît. Je vais te donner 100 de cristaux par mois pour 50 d'énergie. Allez. C'est tout. Voilà. Tac, on mange pas trop mal. Et là, je vais revendiquer encore ce territoire dès que je peux. Et là, je vais lancer la guerre d'ici quelques... Dans 30 secondes, je pense à peu près. 6-5 de pop. Ah oui, on sera que 4. On sera pas encore assez nombreux. Ok. Ok. Je vais revendiquer ce territoire. Celle-là et celle-là. Fusionner. Ouh, je peux faire. Ah, j'ai fait la recherche pour les croiseurs. Wouh! Ok, bon par contre je pense que mon destroyer est tombé, mon cuirassé, je pense qu'il a dû tomber durant la bataille, est-ce que je le revois plus? Non, je l'ai encore, le croiseur, l'ISS Salvage, le sauvage. Construction complete. Le sauvage. Est encore vivant. Très bien. Et je remets vite en normal, et je déclare la guerre à mon poteau. Et je n'ai pas la technologie, bien sûr, de la forteresse, évidemment. Pantaria, bah, je vais pas la blinder plus que ça, Pantaria, parce que je suis pas censé la blinder de ouf, donc disons que je suis pas censé. La vitesse de vaisseau de construction, oui, construit tes stations minières, je t'en prie. Et la guerre a été déclarée, mon ami. War declared. Ah. Ok. Ça commence à être la douille en pognon. Hein. Vraiment, falloir que j'aille voir des marchands. Est-ce que c'est la douille en fric? La guerre est déclarée. Ok. Et eh ben, je suis bien content d'avoir réussi à les repousser. Je suis très content. Je les vois, ils sont dans mon territoire là. Parce que là, les voir se diriger sur Sakis, j'étais pas forcément très content. Parce que c'est pas la plus grosse plateforme, je crois, Sakis. Faudra pas de refaire tes plateformes, tout ça. Y'a quoi, Sakis? Non, c'est une simple base, ouais, c'est une quelconque base. Hein. Bon, j'ai droit qu'à 9 bases, donc mollo quoi. On va y aller, mollo. Ouais, elle est dans quel état? Bah elle est toute neuve, elle est magnifique, y a rien à reconstruire, elle est nickel. War declared. Une guerre a été déclarée. Toi et toi, vous fusionnez. Research complete. Ok, très bien. Et j'ai terminé une recherche. Très bien. On peut voyager dans les trous de verre maintenant. Observateur, ouais, observateur de trous de verre. Si, j'ai fait. Tu me l'as recommandé, je l'ai faite. Au barrage de défense niveau 2. Construction. Il y a des belles techno. Hein. Il y en a des belles. Hein. Mais vas-y, on va partir sur du barrage plus de défense. Ok, je vois ça flotte. On a appris de nos erreurs et de nos faiblesses. Si je lui pète sa flotte, je gagne la guerre, je pense. Ok, je commence l'invasion d'une planète. Il y a la deuxième avant-garde. Ok, t'es arrivé. Paf, paf. System survey complete. Ah ouais, vous êtes ridiculement faible. Oh là 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 là. Fusionné. Il y aura deux officiers dans la même flotte, mais bon. Très bien. Ah, par contre, elles ont fusionné en deuxième avant-garde. Research complete.
première. Voilà. J'ai terminé une recherche. Ah, point de coque des corvettes plus 100. On s'énerve un peu. On s'énerve un peu. Vitesse de construction des bâtiments plus 25%, c'est pas mal. Centrale de traitement des minéraux. Raffinerie de nébuleuse. Une nébuleuse permet d'en extraire des minéraux de valeur. Ouais. Auto canon 1. Canon électrique 3. Oh. Elles sont passées où les vraies recherches que je voulais là? Bande de truands. Vous m'avez eu. Vous m'avez volu. Vous m'avez volu mon pognon. Vas-y, go, on va faire ça. Ok, ça c'est toutes les technos. Viens là, toi! T'es fui, con. Ah, j'ai fini l'invasion d'une planète. Allô? Oui. Ok, non. Allô. Ah non, je croyais que ça avait bugué. D'accord. Ok, une planète est sous mon contrôle. J'ai encore plein de coins à visiter partout, j'en peux plus, j'en ai marre. Faut voir trop de trucs. Faut visiter trop de coins, je suis fatigué. Lui il va faire ce secteur là parce qu'il a quasiment fini. Donc bah toi tu reviens par ici, puis vas-y, hein, viens me faire une reconnaissance de ce système, amuse-toi bien. Amuse-toi bien. C'est bon. Ok, je l'ai. La première avant-garde. On peut te renvoyer chez toi. Alors où est-ce que je te renvoie chez toi? Retour. Je sens que ton retour... D'accord, il faut que je redéfinisse ton point d'ancrage. Il faut que je redéfinisse ton point d'ancrage. Bon, c'est pas grave, c'est très bien à Tyriok aussi. C'est pas un problème, en vrai. Hop là. Station Pava. Station Pava, on va l'améliorer. C'est parti. Elle passe en redoute. Elle passe en redoute. System survey complete. J'ai envie de la transformer pour avoir les plateformes commerciales et tout. Très cher tout ça, hein. Putain, c'est fou, hein. C'est fou ce que ça coûte, hein. T'es où toi? T'es là. Vas-y, fini. Ah, il veut reprendre sa planète, je crois. De reprendre sa planète, le monsieur, mais... Dis, mais il fait... Sauf que t'as oublié le souci. C'est que t'as des troupes. C'est que j'ai des troupes. Il va peut-être... Ah, il va peut-être réussir à me la prendre. Il va me la reprendre, mais... Ah, il va peut-être réussir à me la prendre. Enfin, si j'arrive vite... Ce serait bien que mon armée se dépêche. Bougez-vous le boule. Pantarium, par contre j'ai aucune... Ouais, j'ai aucune planète. Ziris non plus. Donc j'en ai mis partout en fait où j'ai pas de planète, parfait. Magnifique. Ah, ils ont, ils ont. Donc as-tu... Pourquoi je vais pas l'améliorer? Genre j'ai pas de thunes? Ah si, c'est déjà en cours d'amélioration, ok, as-tu... du coup... Salakis. Salakis... Ah bah t'es aussi... Construction okay. Complete. J'ai déjà amélioré tout le monde, ok, très bien. Et... la dernière qui était... La dernière qui était... Par là, Tyriok. Mais à Tyriok, tu as déjà une... Une station qui va bien. Mmh.
Mais non, c'est pas Tyrion la dernière planète. La dernière planète, c'est qui? Accord commercial expiré. Ah, je n'ai plus aucun accord commercial avec qui que ce soit. Très bien. La dernière planète, elle est ici, non? C'est pas vague? Ah oui, et donc c'est bien en amélioration. C'est bien en cours d'amélioration, on redoute. Tout à fait. Très bien. Bah, on va aller chercher le pognon, là on peut... Partout où on peut le prendre. Vaisseau de construction... Ok, ici il a fini le taf. Tu viens là-bas. Construire un avant-poste, c'est parti. Investissement très lourd dans les avant-postes. Dans l'argent. On a besoin de pognon, comme jamais. Petit café. Alors, c'est la grosse guéguerre chez toi? Ouais. J'ai repris une planète. T'es sur Jean. Ouais, t'es en train de rouler dessus, quoi. Pourquoi t'as une valise à côté d'un de tes vaisseaux? Une flotte... Une flotte de transport. T'as un transport avec toi? Mais c'est les armées. Ah, tu déplaces tes troupes, ok, d'accord. Enfin, c'est les armées terrestres, quoi. Oui, les armées terrestres, tu déplaces tes troupes, y'a pas de soucis. La flotte, bien la troupe. J'entends. J'entends et je comprends les mots qui sortent de ta bouche. Pas vous. Encore 106 mois à attendre et je pourrais boucler l'harmonie. Dôme du paradis, ce bâtiment produit de la nourriture et suscite de l'unité, tout en accroissant aussi le bonheur des peuples citoyennes. C'est magnifique ce truc. C'est magnifique. Du coup, j'aurai droit à un nouvel atout d'ascension. Trop vénère. Ouais, dès que tu... Trop vénère. Bon, j'ai pris l'atout d'ascension de l'expansion, là. L'atout pour avoir 5 planètes de base. Ah, t'as déjà 2 atouts. C'est bien. Ouais. Et là, je vais bientôt adopter une nouvelle. Ah, nouvelle station. Alors, un ancrage, clairement. Et le deuxième, ça va être une carrefour commercial. Parce qu'on aime l'argent. On adore l'argent. Alors, ce qui est bien avec le truc d'ancrage, je sais pas si t'as vu, mais... Au bout d'un moment, quand tu fais des stations full ancrage, ce que je fais, c'est que après j'installe un... Dans les bâtiments, t'as les bâtiments au-dessus, tu sais. Oui. Et t'as les bâtiments de construction en dessous. Oui. Et tu achètes un bureau de logistique de la flotte. Donc ça, je n'ai pas la recherche qui me permet d'avoir le bureau de logistique. Et ben dès que tu l'as, tu t'en fais un parce que ça, pour chaque ancrage, ça te demande de plus 2. Donc en fait, chaque ancrage, tu gonfles encore ta capacité de flotte de plus 2, quoi. Ce qui te fait un plus 6 par base, quoi. C'est pas mal. C'est qui est très très bien, quoi, déjà. Ce qui est pas vilain du tout, ouais. Surtout quand t'es un mec comme moi tout en base, hein. Parce que je suis en train de monter. Là, je suis à 6. Il y en a 2 qui vont se transformer. Il y en a encore 2 qui vont se transformer en redoute. Je suis à 6 bases sur 9. Ah merde, ils ont engagé le combat, putain. Je vais me faire péter une flotte. Bon, tant pis. Ah, pas vague. Tant pis, tant pis. On augmente les centrales électriques. Allez, c'est la fête, hein. On gonfle toutes les centrales. Il faut qu'on sorte de cette crise économique. Ça devient une nécessité. Toi, du coup, tu vas revenir ici justement pour construire ce qui a été détruit, s'il te plaît. Reviens là. Tu feras une descente plus tard. Tu prends Jedi là, le petit vide qui est entre chez toi et chez moi? Ou pas? Bah, si tu le veux, vas-y. Hein. Ouais, y a 4$ à prendre, donc moi ça m'intéresse. 4$. Je vends mon empire pour 4$ de plus. Attends, il est où, c'est lequel? C'est... C'est juste entre chez... à côté de Pantarium. Bah vas-y, vas-y, je te le laisse. Je construis alors mes trucs là. Et... Pas de soucis, pas de soucis. Là, normalement, j'ai fini mes constructions, je ne suis plus en négatif. Ce qui sera peut-être temps, parce que je suis à 575 balles. Hein. Je suis dans la douleur, hein. Il me reste plus de thunes. Moi qui croulais sous le pognon, au secours, j'ai plus de fric. Ok, je leur ai repris un nouveau territoire. Nice. Enfin, une nouvelle planète. C'est nice. Une planète à 25, hein, quand même. Hein. J'ai.
une planète à 25. Hein. Ça doit leur faire mal, ça. Ça doit leur faire très très mal. Ils doivent le sentir mais passer. Bord de leur capitale. Il leur reste quoi? Il leur reste deux planètes. Oh, je vais voir la capitale planétaire, c'est bon ça. Il leur reste deux planètes. C'est bon. Ça, c'est très bon. Capitale planétaire, ça va être très très bon pour les affaires. À ce qui paraît. Par contre, ça c'est lent. Ah, c'est parce que tu nous as mis en lecture, c'est pour ça. C'est lent, tout le monde rame du cul. Non, mais y a pas de souci, hein, si t'as besoin d'être en lecture, hein, tu te mets en lecture, y a pas de problème. Je sais que tu es en pleine guerre. System survey complete. Parce que je vois des vaisseaux à toi qui sont pas au bon endroit. Ouais, je sais, mais en fait. C'est pas dans ton territoire. Enfin, dans ton territoire. Je leur attaque leur dernier chantier spatial, au moins ils peuvent plus reconstruire de vaisseaux. GG. System survey complete. Et là, ils sont en train de faire demi-tour, ils disent oulala, l'enculé. Et là, je rentre dans leur système capital. Bonjour, enchanté. Ça fait mal. Soyez les bienvenus chez moi. Ça fait mal une armée de 5,3 dans la zone de la capitale. Oulala, ça fait très beau, quoi, ça. Ouais, ça. Est-ce que vous êtes... Ah oui, vous faites demi-tour, hein. Mais vous êtes loin, c'est moche. Alors, ce qui est intéressant, là, c'est que je viens de débloquer aussi les centrales de niveau 2. On va direct les faire sur toutes les planètes. J'ai combien de corvettes dans cette flotte? 29 corvettes. Ajoutez-en une. On fera une trentaine de corvettes, on sera bien. Hein. Si on regarde... Une trentaine de corvettes, un croiseur, et il est peut-être temps d'ajouter des vrais navires à cette flotte. Leur système principal est à moi. Mais putain, ils m'ont enculé la recherche du destroyer là, pour ça je suis vénère. Construction complete. Bon, par contre, je vais avoir deux améliorations de canon. Ça va être autre chose. J'augmente mes barrages de défense et tout, mes canons électriques. C'est les technologies de la guerre partout, je crois. À tous les étages, c'est la guerre. Oh merde. Eh ben, malgré la pilule que j'ai prise, je suis quand même bien content de les avoir. Research complete. De les avoir calmés. Ah, j'ai terminé une recherche. Très bien. J'ai les capitales. Je suis content. Alors, commandement plus 20. Oh, c'est très intéressant. Biolaboratoire 2. Oh, c'est très intéressant. Académie de la flotte avec le bureau de logistique de la flotte. C'est ça dont tu parlais. Mais bon, le tissu régénératif. La coque régénérative. On n'en discute pas. On en a parlé. De la coque, ouais, qui se régénère. Je crois que je suis en train de la faire là. Ah non. Donc voilà, je viens de la lancer, c'est parti. Mais il te faut le métal vivant pour faire ça, il te faut du métal vivant après. Je ne sais pas, permet. Ah non, c'est une recherche, le métal vivant. Non, là, c'est un truc que j'ai fait sur les amibes. Et donc ça me permettra, hein, sont imprimés dans le concept structurel du vaisseau et essaieront de restaurer son intégrité si elle devait être compromise. D'accord. En fait, ça me donne une chance de... Mes armes, okay. Oui. Ils viennent de débarquer sur la capitale, là. D'accord. Et ils sont en train de faire la guerre. Je suis actuellement sur la capitale. Putain, de... Putain, oui, il y a du monde. Hein. T'as même ramené un vaisseau scientifique, dans le doute. Non. Ah non, c'était les troupes qui sont à Unar, et toi, t'es à Junior, là, avec ta flotte de 5003. Junbar. D'accord. Junbar. Ok. Ah oui, il y a des flottes un peu partout, dans tous les sens, quoi. Non. Parce qu'il y a ton allié qui attaque aussi. Si, regarde aussi, une arme. Attends, elle est où mon armée là? Pourquoi elle a disparu là? Elle est où? Ah non, elle a pas disparu. T'en as partout. T'as des mecs partout. T'en as partout. Ah, mais ça c'est pas grave. Hop. Ça dégueule. J'ai pris quand même leur. Améliorer capital, les choses. Oui, on améliore ça. Et oui, on va améliorer ça parce que même en bouffe, on est plus très très fou. Bouffe, on a pris une claque, hein, après avoir posé une nouvelle planète. Pourquoi les gens là, il n'y a plus personne ici? Construction complete. Ah, il n'y a plus personne parce qu'ils ont dû changer de planète là. Tous ces gens là qui changent de planète comme ça, c'est n'importe quoi. Bah, qu'est-ce que tu. Hein, carrefour commercial. Go, j'aime l'argent. Est-ce que je vous en ai déjà parlé? Faut que vous sachiez que j'aime l'argent énormément. Et puis on va partir sur un. J'ai pas fait un ancrage? Ah si, j'ai déjà un ancrage. Ils veulent que je refasse un ancrage. Ah, tu peux faire plusieurs ancrages?
Mais non. Bien sûr, tu peux. Moi, je fais vraiment des full ancrages. Hein. Je fais vraiment des stations ports au milieu de mes territoires que je fais vraiment full ancrage. Ah, t'es un mec énervé, toi, en fait. En fait, c'est des stations, tu vas faire que ça, quoi. C'est juste pour la capacité navale. J'avoue. Mais je vais quand même refaire un carrefour et un ancrage. Les deux. Parce que j'ai besoin d'argent aussi, donc à un moment donné. Oh putain, ça va être chaud pour prendre la planète, ça va être limite. Mais ça va passer. Ça... J'ai presque plus d'armée là. T'es où? T'es sur Junior? Junbar. Bar. Ah oui, oui. Là où il y a ma flotte, en fait. Quand tu cliques dessus, je sais pas si tu vois le combat, toi. Construction complete. Si. Enfin, non, je vois des flottes statiques là pour l'instant. Puissance militaire, la task force. La planète, je parle de combat sur la planète. Ah, t'es au sol là? Combat au sol? Je suis au sol avec mes armées là. Mes armées sont sur la planète. Oui, exact. Et là. C'est du 3v3 là. 3, 2 contre 3 là. 2 contre 3. Mon général, toi, il y a mon général dans un truc qui a une petite étoile. Oui. C'est l'unité de mon commandement. Mais là, il a désengagé. Les ennemis sont en train de désengager. Oh, c'est bon, tu l'as plié. C'est bon, tu l'as massacré. Et la capitale ennemie va tomber. C'est bon. Tu l'auras roulé dessus. Attention. Full planète d'esclaves, incroyable. Tu l'auras roulé dessus. C'était même pas rigolo. Hop là. C'était même pas intéressant. C'était limite. Hein. Et la capitale ennemie est tombée. J'ai de l'argent. Mon capital. C'est bon. Le trou de verre est inexploré. Bah, explore le trou de verre naturel, tout de suite. Ah ouais, bah alors ça, mec, ça va t'aider. Hein. Ça se trouve, ça va débarquer dans soit dans un territoire de quelqu'un. Donc là, t'as intérêt à faire une station, quoi, autour du trou de verre, parce que... Alors ça peut être bien et pas bien, hein, si ça tombe sur le mec le plus armé. Oui, c'est ça, ça peut être cocasse, mais bon, moi j'ai un truc exploré, après, pas inexploré. Moi, ça peut être le trou de verre que j'ai dans mon territoire aussi. Ce qui peut être pas mal aussi. Ouais, en général, les trous de verre ça amène à l'autre bout de la galaxie. Hein, donc ça m'étonnerait pas que ça amène chez United machin là-haut. On verra. Hein. Ouais, c'est ça, on verra bien. Hein. Écoute, hein. Au moins je saurai où il mène. Ce qui est déjà ça. Ouais. Ça doit leur faire mal, ça, de perdre la. De perdre la planète, leur planète capitale. Ma flotte 3,7, putain, elle a morflé. Hein. Ça va. On a morflé un peu. Donc en train de repartir d'armée. Je suis retourné sur Rurus. Le mec sait pas les noms de ses planètes. Rurus. Non, c'est système, excuse-moi. Est-ce qu'il est possible d'accélérer un petit peu, monsieur? Oui, pardon, excuse-moi. Non, mais je te demande simplement. Hein, j'oublie des fois. Non, mais y'a pas de soucis, vu que je vois que t'es en plein combat, tout ça, je peux comprendre. Mais là, à première vue, c'est bon, tu lui as roulé dessus. Donc, voilà. Et maintenant, j'attaque leur dernière. Leur dernière station. Là, ils peuvent plus construire de vaisseaux à part ici. À part s'ils en refont une, mais. Ouais, ça a l'air compromis, quoi. Il faut qu'ils aient déjà un vaisseau de construction encore en vie, déjà. Est-ce qu'ils ont beaucoup d'armées sur. Ouais, ils ont un peu d'armées, faudrait que je refasse des armées, là. Voilà, je vais créer des armées d'assaut là sur la planète derrière. Ah, ce qu'il faut savoir, parce que les armées, il faut aussi. Genre, quand tu prends un territoire, il faut aussi prendre les planètes, quoi. Sinon, ça sert à rien. Alors, eux, ils m'attaquent à une flotte de 823 contre 5400. Tu sens le désespoir en eux. 5400, c'est pas mal, hein.
Ouais, bah là j'attaque leur dernière. Avec combien de puissance? C'est 1400, c'est bon. Trou de verre exploré. Ce trou de verre du système Lictabon a été entièrement exploré. Il est en relation directe avec le système de Mira. Je ne sais pas où c'est. C'est pas chez moi. Bah, je sais pas. Va voir. Je regarderai, mais pas tout de suite. D'abord, j'ai d'autres secteurs beaucoup plus importants à mater dans le coin. Des choses plus importantes à faire que de m'embrouiller avec ce truc. Nul. Là en fait Mira, ouais bon, c'est ça, il faudrait que j'ai la map du secteur pour essayer de voir où est-ce que je tombe quoi. Bah tu peux, genre t'es pas obligé d'explorer mais tu peux cliquer genre sur Mira et ça te montre où c'est sur le... Normalement, sur le... Si sur je clique dessus là, il me montre où est-ce que je tombe. Ouais normalement ouais, je crois. D'accord, c'est dans un secteur... C'est dans la seule zone qu'on ne connaît pas. C'est où? C'est bah à droite de 70 Unity, à droite de chez moi, c'est là-bas, à première vue. Et t'es rentré dedans, il y a quelqu'un tu penses? Non, je suis pas rentré dedans, j'ai juste cliqué, j'ai jeté un œil, tu sais, il m'a TP dans le coin où ça TP s'est téléporté. Ça peut être intéressant, ouais. Hein. C'est là où il y a bah, toutes oui. Les planètes que je peux habiter. Oh, ça serait trop bien. Bah ouais, j'imagine. Hein. Ok, ça serait, serait magnifique. Peut construire de... Il ne va plus construire de vaisseau là, ils ont plus de station. Donc si je leur pète leur dernière force. D'ailleurs, j'en mets juste en normal de ce que je veux pas. Physique, ah, du coup, je peux débloquer nice. Les générateurs de boucliers planétaires. Intéressant. Ouais, ça te rajoute un bouclier autour de la planète. Oh, ça y est, incroyable, je suis revenu en positif, monsieur. Il se passe des choses dans ce monde. C'est incroyable. Amélioration du bâtiment, capitale. Oui, oui, la capitale. Ils ont trois vaisseaux scientifiques autour de, la, de leur planète, ils la regardent. Ah, ça défend sec. Ça défend sec avec des vaisseaux scientifiques. Franchement, si tu les attaques, ils vont t'envoyer, mon gars. Mais des calculs, oui, ils sont morts. Des calculs mathématiques, tu vas pas comprendre. Je vais faire morts, bouton laser. A pu. Ils sont cassés. J'ai une personnalité. L'empereur est monté de niveau. Bravo l'empereur. On s'en fout de ta vie, mais bravo l'empereur. On aime les empereurs chez System nous. Survey complete. Servent à rien. C'est formidable. System survey complete. Construction complete. Bah, doucement. Chacun son tour, on se calme. Reconnaissance du système, le vaisseau de construction. Où est-il? Il est ici. C'est fait. Parfait. Aménage-moi tout. Tout et n'importe quoi. Vaisseau scientifique ici. Il a fini. C'est magnifique. C'est incroyable. Il vient venir ici me faire sa reconnaissance du système. Donc toi, t'es encore dans tes constructions comme Jaja. Toi, t'es dans ton amélioration en redoute, on en a pour 1000 ans. Formidable. C'est très intéressant. Formidable. Et les recherches scientifiques. Tissu de coque régénératif, ça va être long. Ça va être très long. Ça va être très très long. Mais on aime beaucoup. J'ai deux ressources maintenant. J'ai du gaz Satramen et de la poussière Pitaran. C'est des super ressources. Avec ça, tu peux faire des chocs à pic. Hashtag placement de produits gratuits. Si vous aussi vous aimez les placements de produits gratuits, mettez un pouce bleu. Le vieux me lâche nul de pouce bleu au milieu de la vidéo. Ça veut rien dire. Oh, ça construit dans tous les sens chez moi, ça veut rien dire. C'est dingue. Hein. J'ai envie de réarmer. Allez, on va bombarder là. On va bombarder la dernière planète. Ça y est, t'es en train de finir. Tu es en train de raser le board. Là, je retourne dans le système d'avant pour.
pour bombarder la planète pour éviter que mes soldats ont trop de soldats à combattre. Enfin, tuer du monde avant. Système début Crozy. Unar. Ah, Unar en fait, j'ai pris le système et pas la planète Glarp. Et ils ont un peu d'armée dessus. Moi, j'ai plus trop d'armée. La capitale, elle m'a bien fait mal quand même. Même si là, c'est à prendre. Et là, je vais bombarder la planète pour enlever des armées et tout ça. D'accord. Parce que en plus, est-ce qu'ils ont des bunkers? Ah oui, ils ont un bunker. Donc les bunkers, hein, enfin les bastions, ça fournit trois armées défensives et ça protège les armées des bombardements orbitaux. Ouais, c'est vénère. Et en plus de ça, ça t'enlève de l'agitation. C'est assez vénère comme truc, ouais. Je vais reprendre encore le territoire là-haut. On a une expiration d'un décret, campagne en anti-oxygène. Anxiogène. Ah. Un scientifique a passé un level, c'est bien. Politique et décret. Alors, que peut-on faire? Subvention agricole, c'est pas intéressant. Ah oui, c'est mes subventions aussi qui sont terminées, c'est pour ça que j'avais plus de bouffe d'un coup. Construction complete. Ah oui, mais j'ai plus de thunes, en fait, j'ai plus de thunes pour rien faire, quoi. Je suis vraiment fauché, hein. C'est vraiment la douille. Hein. C'est vraiment, on vient de loin maintenant. Hein. C'est un nouveau pays, c'est un pays pauvre. Ça décède. Mais j'aime pas les champignons, voilà. J'ai en train de tuer tous les champignons. C'est vulgaire. C'est surfait. Je crois qu'ils sont un peu dans le mal, là. Je suis pas sûr, mais... Je crois qu'ils sont un peu dans le mal, quand même, là. Construction complete. C'est de pop. Oula, on les aura pas, mon gars. Calme-toi. On les aura jamais. C'est de pop. Y'en a qu'une seule que j'ai pu passer en capitale, vraiment. Vraiment, ma vie, c'est aussi nul que ça. Construction complete. Mais bon. Ah, on m'insulte. Bah, ok. Bon. C'était bien, la m'insulte. C'était sûrement génial. 202... 100... J'ai des gouverneurs sur chaque planète, moi je suppose que j'ai pas besoin de m'en occuper. Oui, c'est l'empereur en fait. Gouverneur, c'est l'empereur. C'est le problème est réglé. C'est toujours lui le patron. Pas de soucis. Oui, patron. Je peux aller voir là-bas, ça serait bien que j'y aille aussi un jour. System survey complete. Chantier spatial détruit. Quelqu'un a détruit le chantier spatial alien utilisé par la Fellowship lors de sa croisade contre nous. Les premiers rapports indiquent que les forces fanatiques ont été sévèrement balayées, mais ils nous ont aussi appris que la charismatique meneuse du mouvement avait quitté le chantier à bord de son vaisseau, de son nouveau vaisseau amiral, peu avant le début du combat. Elle est toujours en fuite quelque part dans la galaxie. Et les renseignements militaires s'efforcent de localiser son vaisseau. Je crois que c'est toi qui as rasé la base en fait. Non ? T'as pas rasé un chantier spatial, une base, par hasard? Bah, pas à toi, en tout cas. Mais pas à moi, c'est mes ennemis. C'est ma quête. Ah. Donc, je crois pas. T'as peut-être dû raser quelqu'un, là, non? Récemment. As-tu tué quelqu'un? Pour le petit déjeuner? Non. Tu n'as tué personne pour le petit déjeuner? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mes armées se posent sur la dernière planète. Voilà. Et leur dernière planète est à moi, presque. Tu sens la fin là de... Tu sens la fin là. En tout cas lui il la sent hein. Et là, lui il la sent bien. Lui sent le terminus arriver vachement vite quoi. Un petit peu trop vite peut-être à son coup même. Les dernières armées, là il leur reste un peu de résistance. Ah bah oui, forcément on a un bâtiment inactif. Et voilà, dernière planète colonisée. Il viendra ici lui. Alors logiquement, ils ont 4 planètes, ok. 1, 2, 3, 4, ok, bah c'est les 4 que j'ai. Construction complete. Ouais, c'est terminé, construction, c'est bien. Hop. Allez. Construis-moi 2 mines. On aime l'argent. System survey ça revient. Complete. Voilà, sans boost oula, maintenant, voilà, oula. On y revient. On est à plus 13. Ça commence alors, à revenir. Victoire contre la Dune République.
Disparition de l'Empire inconnu. Ah oui, tu l'as défoncé. Présupposions sans doute hâtivement une faiblesse orientale. En tant que symbole de bonne nouvelle, pour nous, nous accédons à vos exigences. Cela est la meilleure ici pour vous. Voilà. Regarde mon territoire maintenant. Tu as officiellement roulé dessus. On peut le dire, hein. Oui, c'est... Par contre, il est pas mort pour le coup, ça non. Ça t'a pris 2 heures, montre en main. Ah bah si, je crois que tu l'as éclaté. Hein. Bah non, il aurait des territoires. Si, parce que chez moi, j'ai eu le message d'un empire a disparu. Un empire inconnu, évidemment, puisque moi, je ne connais personne. Sauf le Pokémon qui m'insulte. On va direct installer la loi martiale. La base. Quelqu'un de gentil. Je suis pas quelqu'un non plus de... Non mais attends, je suis pas comme ça quand même. Hein. Je suis pas un méchant. Déjà sympa, hein, t'aurais pu te tuer. Hein. Ouais, je sais pas, je les ai pas réduits en esclavage, 4 planètes, full rempli, non. Non, je suis pas comme ça, moi. T'es pas le genre de mec. Alors là, Martial, attends, 2 secondes, faut juste que je fasse tout ça, hein, loi martiale. Et loi martiale. Voilà. Vous allez obéir, et puis c'est tout. Donc il a disparu, mais en fait, mais c'est quoi ce territoire alors? Genre, faut que je revendique quand même, ou comment ça se passe? Ah non, pas besoin de revendiquer. Et ça veut dire c'est des territoires qu'on peut venir construire, prendre là alors. Je comprends pas trop. Tu vois pas l'étage blanche toi? Étage blanche, si. Il a peut-être encore quelque chose là-dedans. Hein. Non, il a plus rien. Il a peut-être des avant-postes construits. Non, en fait, c'est juste le reste de... Ça doit rester, tu vois, mais il n'y a plus l'Empire. Non, c'est parce qu'il doit avoir encore des avant-postes dedans. Ou une mine, ou une connerie, tu vois, qui traîne encore. Non, il n'y a plus rien, je vois tout. Mais non, ça doit être en fait, je pense qu'il doit construire des avant-postes et ça va disparaître. Ouais, ce que je vais faire. Tout simplement. Tac, ok. Bon, je pourrais vraiment grossir ma flotte comme un gros cochon, là, si je voulais. Mais est-ce que je veux faire ça? Tignoc. Ah bah non, il a disparu, c'était bon. Ça vient de disparaître. Il y a plus de... Il y a tout un territoire libre, là. Ah bah, voilà mes vaisseaux. Voilà ce qu'ils vont faire, mes vaisseaux, là. Hop. Voilà, quelques corvettes. 10 corvettes de plus. T'as vu, il y a un gros trou maintenant. C'est le style. C'est un style plus aéré, plus aérien. Épuré. Nouvelle construction de type épuré. Eh bien, ça se fait. Doucement mais sûrement, ça se fait. J'aimerais bien avoir des vraies technologies pour pouvoir... nettoyer un peu les planètes là, invivables. Ce serait bien. Hein. Vraie terraformation des familles, ça ferait du bien. Leader décédé. Ok. Bah écoute. Bon, génie. Nice. Hop. Ok, bah écoute, voilà. Hein. Un empire en moi. Y'a plus qu'à accélérer le temps, s'il te plaît. Oui, excuse-moi. Y'a pas de soucis. Y'a beaucoup de choses à faire, tu vois. Je comprends, faut tuer les derniers champignons. Exactement. Une terrible perte culinaire pour ton peuple qui ne pourra plus manger de champignons farcis. C'est la tristesse. Ah, une nouvelle faction est apparue. Des scientifiques. Ah bon ? Oh, c'est rigolo. Des scientifiques chez moi ? Peaceful Progress Group ? Varum ? Diplomatie agressive, non, c'est pas eux. C'est eux. Quoi ? Localisation possible de vaisseau amiral. Soit lointain à détecter dans un système faible d'émissions subspatiales qui correspondent à la signature du vaisseau alien utilisé par la Fellowship, la source la plus grande, la plus probable, étant ce fameux vaisseau amiral. Nous devrions dépêcher des forces pour reconnaître ce système. Dans les meilleurs délais, ce vaisseau et sa charismatique capitaine sont bien trop dangereux pour ne pas être neutralisés. Prospérité, philosophie, acquisition de ressources stratégiques, maintien de la paix, prospérité traditionnelle, non-violence. Non-violence. 5 membres. Gérer la faction.
Ça me coûte combien de les réprimer? Construction influence complete. Mensuelle. Ah, ça tape sur mon influence. Oh, fait chier. Ah, on va les laisser vivre, allez. Je les laisse vivre. Vraiment parce que ça m'emmerde. Ok, j'ai un bâtiment inactif, oui. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Et en plus, je l'améliore mon bâtiment inactif. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Accord commercial expiré. Ok. Il y avait un accord commercial, visiblement, qui traînait. Il a périmé. System survey c'était bien. Complete. C'est bon, complete. Ça, c'est bon, c'est fait. Go par là, reconnaissance du système. C'est parti. Ah, tout construit, c'est bien. Oh, c'est le bordel par là. Go d'abord faire ce secteur. Ok. Station de tu. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Un ancrage. Un carrefour. Et ici. S'il n'y a rien qui m'intéresse. Construction complete. Rien qui m'intéresse de ouf pour l'instant là-dessus. On gardera ça pour un bureau. Quelque chose de similaire. De quoi, qu'est-ce qui se passe, hein? Confédération considère désormais leur, hein, comme une rivale, d'accord, c'est cool. C'est formidable. Je suis très content pour eux. Formidable. Alors. Ouais, il faudrait que j'ajoute un truc ici, j'ai pas envie, hein. J'ai pas envie pour l'instant, j'ai rien qui m'intéresse à ajouter donc pour l'instant c'est pas intéressant. S'il faudrait que j'aille voir là dans mes quêtes, hein. Est-ce qu'on peut voir ça? Les quêtes, journal de bord. Cybrex, la fellowship. D'accord, c'est où? On peut voir ou non? On peut juste marquer sur la carte. Ok, oula, j'ai cliqué 15 fois, je vais péter un plomb. Ouais, marqué complete. Sur la carte, mais est-ce que ça se voit au moins sur la carte, hein, ou il va falloir que je cherche avec mes petits yeux? Ouais, ça a l'air chiant leur histoire, hein, ça a l'air d'être marqué 0. Ah si, c'est là. Construction complete. Dans la Forbidden Nebula. D'accord. Sauf que vous n'irez pas ici puisque personne n'a rien découvert, c'est ça? Voilà, c'est ça. Faut d'abord explorer le secteur. Youpi. Youpi. Vaisseau scientifique. C'est bien, celui qui s'emmerde, c'est parfait. Reconnaissance du système. La première avant-garde. Déjà venir jusqu'ici. Quoi ça? Proposition de pacte de non-agression. Pour toi? Non, c'est pas pour moi, non, c'est pas pour moi. C'est pour. C'est entre deux mecs. Deux tiers individus. Non, moi personne ne me fait des traités de Copsoft. Lol. War declared. Ah, une guerre a été déclarée. Research formidable. Complete. Tu es visé par une guerre. Bravo. Je plaisante. Je plaisante. Calme-toi. Evading hostile fleet. Ah, ça y est. À première vue, c'est tout. C'est maintenant que ça va jouer. Ah, je vous laisserai regarder. Hein. Moi, je permets le destroyer. Tout de suite. Allô, on peut pas. Okay, d'accord. Premier là. Viens ici là. Viens ici. Viens dans ce secteur là. Ouais, je te dépêche-toi. Voilà. Mais c'est pas possible ça. Mon vaisseau scientifique du coup est là. Du coup, il s'emmerde. Du coup, il va faire un petit tour de piste. Hein, parce que quand on s'emmerde, on fait des petits tours de piste. System survey complete. Voilà. C'est quand même classe d'avoir que des corvettes et en guise de vaisseau amiral avoir un petit croiseur. Je te le dis, hein, c'est le petit swag. T'as pas l'air d'être au courant, je te le dis. Ah voilà, une petite flotte de 414 de touristes. Attaquez-moi cette merde.
Voilà, merci. Bien aimable. Hostile fleet engaged. Ça y est, c'est la guerre. Alors officiellement, on va leur rouler dessus. Hein. À première vue. Alors ça, fait, ça fait des piou-piou, ouais, ça fait des piou-piou, des pampans, des tutus, des... Ah, ça y est, c'est fini. Voilà, voilà, vaisseau amiral neutralisé, nos forces sont parvenues à neutraliser le vaisseau amiral de la Fellowship. Ses armes et ses moteurs sont hors service, mais ses systèmes de survie sont toujours fonctionnels. Nous devrions préparer l'abordage. Toutefois, vu le grand nombre de fanatiques armés qui s'y trouvent, il va nous falloir des forces conséquentes. Ce vaisseau sera à nous. Lance le projet à raisonnement du vaisseau amiral des fanatiques. D'accord, et du coup, comment qu'on fait? Faut faire... Faut faire quoi? Non? On peut... Ah d'accord, comment on fait? Flotte hostile présente... Oui d'accord, si tu veux. Ça c'est un projet de quoi? Il faut quoi pour ça? Un vaisseau de transport en orbite. Oh non, c'est chiant! Alors, un vaisseau de transport, alors pour ça faut aller voir Chronos. Chronos, s'il te plaît. Spatioport, vaisseau de construction, vaisseau scientifique, vaisseau colonial. D'accord, comment on sort nos armées de là? Comment je... Qu'est-ce que tu veux savoir? Comment j'embarque mes troupes? Je veux attaquer des gens. Ok, donc attends. Tu veux... En fait, là, tu veux conquérir une planète, c'est ça? Oui, il me faut un vaisseau de... Un vaisseau de troupes, non, c'est pas pour... mission. Vaisseau de troupes obligatoire. Ok, donc pour faire les armées, donc terrestres, c'est pas sur les stations, mais sur les planètes. Tu cliques sur d'accord, une planète, je fais une armée d'assaut. Et tu fais des armées d'assaut. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est assez long à construire, donc je te conseille de le faire avec deux planètes proches. Complete. Tu fais chacun sur une planète plusieurs, tu vois. Le genre n'aura besoin que d'une, ça suffira. Il y a trois clodois à raisonner, ça suffira très largement. Trois clochards, ça sera vite réglé. Bah écoutez, ça c'est fait, c'est très bien. Eh bien, je suis content de pouvoir dire que je vais attaquer le dernier avant-poste, scellant le dernier secteur entre chez toi et chez moi. Nous aurons toutes nos frontières collées les unes aux autres. À part que t'as un petit trou au milieu de chez toi, ça je trouve ça génial, hein. T'as fouillé là. T'as pas encore fouillé quoi. Non, il y a les. Bah vous pouvez retourner vous soigner. Hein. Allez vivre votre vie, c'est formidable. Ici, il y a toujours rien qui m'intéresse, ça n'a pas changé. T'as l'avant-poste à construire aussi. Hein. Gouverneur, gouverneur est mort, mais on s'en fout. Hein. Il s'est remplacé les gouverneurs automatiquement, je crois. Sauf erreur de ma part. Mais t'as un trou de verre où toi? Ah, c'est le truc au sud que t'as exploré la dernière fois. Qui est pas dans ton territoire. Alors comment je sors mon armée maintenant? Comment je la fais sans voulure? Alors tu la vois, normalement t'as un onglet armée à droite là, donc t'as tes planètes, tout ça, maintenant t'as les armées. Ah merde, je l'ai annulé en fait, non excuse-moi, désolé, je suis un connard. J'ai un lit, je relance la construction de mon bordel. Je me fais insulter par le Pokémon, mais j'ai pas le temps de lui répondre, j'ai autre chose à faire que de m'intéresser à sa vie. Nul d'ailleurs, au passage. Je ne peux pas passer par là, donc on va aller là, hein, reconnaissance du système, dis-moi que tu passes par le bon système, dis-moi que tu passes par le bon système. Vas-y, mon mot du rêve. Ah, c'est bien, il est intelligent, bravo, c'est research bon. Complete. Je suis en déficit financier parce que ma flotte... Je vais pouvoir faire de la une ressource stratégique, c'est de la poussière de Pitaran, et j'en aurai deux dans ce système, donc si t'en veux une, tu me diras. D'accord. Ça produit de la nourriture de 10% dans tout ton empire. D'accord. C'est cool. Donc si t'es en manque de bouffe, tout ça, ou si tu veux te dépeupler plus rapidement, tu me dis que je t'en envoie une. Poussière de Pitaran, tu dis? J'en ai déjà une. Ouais. Attends, j'ai une. Et j'ai un gaz. Et j'ai un gaz de Satramen. Satramen un max. Ok. C'est, j'ai un niveau incroyable, débordant. Si j'étais obligé. Ah, mettez un pouce bleu. Moi je vais aussi avoir une pierre de Garantium qui fait plus 1% de blindage sur mes vaisseaux. Ships upgraded. Pas trop mal. Alors j'ai recruté mon sac à merde. Chronos, c'est où? Non, c'est plus où Chronos. Chronos, à première vue, ça y est, j'ai recruté un sac à merde. Allô. Il est où mon sac à merde? Upgraded. Mais une armée. Une troupe d'assaut. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette répartition très étrange? Est-ce que j'ai un vaisseau avec des troupes? J'en sais rien. Ah oui! Flotte de transport, nice! Voilà, et tu vois la puissance de tes trucs. Je sais pas, mais à mon avis c'est bien. Quand tu cliques dessus, t'as marqué puissance de l'armée, je crois, ou un truc comme ça. C'est moi, le jeu est en train de ramer du fion à l'infini, quoi. Ah bon? J'ai l'impression.
J'aime pas très beaucoup ça. Non. Ou alors c'est parce qu'il veut pas. Pas Chronos aussi, c'est armé de Chronos là. Je voudrais que vous veniez ici là. Comment je l'ai fait dégager de cette putain de planète là? C'est rat mort. C'est rat crevé là. De quoi lesquels? J'ai mon armée d'assaut qui est sur Chronos. J'aimerais qu'elle zouk son ouais. Dieu ailleurs. Bah tu la sélectionnes et tu la... Genre regarde, normalement tu vois des vaisseaux au-dessus de la planète. C'est comme les vaisseaux de... Oui, ils peuvent pas se défendre, ils ont pas de laser tout ça, donc faut les protéger tes armées, ok? Mais tu les vois, normalement c'est des flottes, c'est des vaisseaux. Et normalement tu les as à droite en dessous de tes vaisseaux civils. À droite dans le panneau. D'accord, t'as armé. Ouais, je la vois, mais j'aimerais bien qu'elle... Ah, d'accord, elle vient de prendre son vaisseau, d'accord. C'est hashtag on est rapide. Hein. Un vaisseau de transport en orbite. D'accord. Viens ici. Viens ici, connard. Projet de recherche, vas-y, fais ça. Et renseignement hostile. Nous avons rencontré des forces hostiles dans ce système. Ah bon? Bon bah, go. Go la flotte, là. Mais zouké les mecs, là. Je vous mets un coup de pied, hein. Là où je le pense. Ouais, fin des pactes, on s'en fout. On s'en fout des gens, là. Les gens qui ont une vie, tout ça, ça nous intéresse pas. Ça ne nous a jamais intéressé. Ok, ressources minières, vaisseau scientifique, il est là. Sa vie est formidable. Il va venir là, il va me faire une reconnaissance du système aussi. Allez, go. C'est bon, il bouge, lui? Eh bon, il bouge. Incroyable. Visiblement, il bouge. Hein. Après, c'est pas garanti non plus. Hein. Les différentes stations qui peuvent faire encore des évolutions de canons. Bah, allez-y, hein. Faites des évos. Ça coûte rien, c'est pas cher, c'est gratuit. Allez-y, faites-vous plaisir. Et je viens d'ouvrir les frontières avec le mec au-dessus. Tu viens d'ouvrir les frontières avec le mec du dessus. Ah, d'accord, donc vous ouais. Pouvez passer l'un chez l'autre, c'est beau, c'est magnifique. C'est ça. C'est magnifique. C'est beau. Ships upgraded. Ok, je vais upgrader mes ships. Visiblement. Peu de mal à suivre les vaisseaux, hein. Peu de mal, hein. C'est compliqué pour eux. Hein. Je vois pas ce que tu fais. Faire... Je suis en train de faire un projet, quête personnelle, une introspection, si tu veux. Putain, je commence à avoir un petit territoire, quand même, tout doucement. Aucun commandant nommé. Alors peut-être leur trouver ça. Ah non, c'est des généraux, hein. C'est une spéciale et tout. Alors... Ouais. Pas de général. En fait, t'as les armées pour utile. L'espace et t'as les armées pour les terrestres. Hein. Ouais, mais c'est pas les mêmes officiers. C'est compliqué, ça m'oblige à recruter un gars qui va servir à rien, ça m'intéresse pas. Une flotte hostile? Arrêtez de me dire que c'est une flotte hostile, c'est pas une flotte hostile. Alors ça par contre, le jeu avec tes faux messages, ça me fatigue un peu. C'est... Waouh. Genre 4,9 de puissance. Ah d'accord, donc tu le considères quand même comme une flotte hostile, bravo. Tu peux pas lui mettre 0 de puissance, on la marave depuis 15 jours quoi. Non, il a 0 de puissance, il a 4,9% de vie, il y a rien. Il y a rien à cet endroit là. À te faire genre qu'il y a une flotte hostile quoi. Jeu qui pète des plombs. Oh le veau. On dira qu'on l'a... On n'a pas vu, on n'a rien vu, c'est pas grave. Je vois pas ce que... Tu fais quoi c'est là? C'est pas grave, c'est pas grave. Non, je déplace les armées, et l'armée, c'est lent. C'est lent à créer, c'est lent à se déplacer, c'est lent. Et la les chose qu'il faudra retenir, plots, c'est que c'est lent. Je t'ai dit, hein, vaut mieux les construire par deux ou trois planètes, tu vois, en même temps, au moins. Si t'as des planètes proches, en plus, c'est bien, upgraded. Tu peux vite les fusionner ensemble. Ships upgraded. Ah, c'est mes stations qui viennent de firme de s'améliorer. D'accord. Incroyable, c'est beau. On gagne pas une thune, hein. J'aimerais bien qu'on gagne des thunes. Envisager le concept de gagner pognon. Mais gagner pognon, c'est pas à côté, c'est pas gratuit, c'est pas comme ça, quoi. C'est pas ouf. Ouh, si par là, ça a l'air fou. On va faire ça. On va passer par là. On va
faire un gros tour comme ça. Ça fait du bien d'être en paix par contre là. Ah ouais? Tu trouves? Moi je trouve ça ennuyeux. Construction complete. Non là ça fait plutôt du bien. Est-ce que tu vas te faire attaquer par des mecs? Genre des... T'as pas eu un message de flotte hostile machin? Si, j'ai un message de flotte hostile, mais c'est une fausse flotte hostile en fait. C'est un mensonge. C'est une quête. C'est un mensonge. Enfin, je veux dire ça, par les empires maraudeurs, non? Tu t'es pas. Non, je crois pas que j'ai d'annonce là-dessus. Mais Parce que je viens de voir un empire maraudeur là qui vient de rentrer à 9500 de puissance. Sérieusement? Ça, chez toi, non? Oui. Tout en haut là, dans mon dernier territoire, le plus haut. Le plus haut que tu peux à gauche. À 100 d'édar. Visualise pas. System survey complete. Sandenop. Ouais, le système Sandenop. Je les vois pas. Je vois pas où est-ce qu'ils sont. Ouais. Je sais pas ce qu'ils foutent. Je sais pas si c'est pour sans moi. Sans Sandenop, à Santédar. C'est à gauche encore. Juste à gauche en haut là. La pointe. Ah oui, d'accord. Bah je les vois pas. Je sais pas où ils sont. Déjà. Là ils descendent, avait-il. Ah d'accord. Bah ils sont pas affichés en rouge donc je pense pas qu'ils sont pour moi. Hein. Ah bah non, alors ils sont pas pour toi. Moi ils sont en jaune. Moi quand ils sont affichés en. La dernière fois ils étaient affichés en rouge et ils étaient pour moi. Mais là, c'est pas le cas. Il est où ce vaisseau? Voilà, merci. Vaisseau nul, se balader là. Reconnaissance du système, s'il te plaît. Ensuite, autre vaisseau nul. Autre vaisseau nul, à première vue, ça a l'air d'être les embrouilles par là. Un vaisseau alien. Ah, puis les embrouilles, hein. Menace alien ici aussi, ok, d'accord. Il va falloir que je descende une flotte par là. Connaissance du système, c'est quoi ça? Magar. Ah, une autre flotte de Magar. À 10 000. Qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? Je sais pas. Mais ils sont là. Ah, ça y est, l'autre est arrivé. Alors, sans se presser, hein, je vous annonce. Je peux cliquer 15 fois dessus, ils me l'ouvriront pas, d'accord. Ah, il est en train d'attaquer. C'est le mec avec qui je m'entends bien là. Il est en train d'attaquer les Kiki là. Il est en train d'attaquer le Pokémon. Il attaque le Pokémon. Lol. Il va en faire qu'une bouchée quoi, il va lui rouler dessus. Il va lancer ses Pokéball là et. C'est parti. Tu viens le transporteur de troupes, tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais il fait quoi ce con? Tu réfléchis à des questions éthiques, ethniques et professionnelles? Ressources stratégiques découvertes sur 4076, c'est de la matière noire. Très bien. Très joli. On est très content pour toi. Hein? Qu'est-ce que... Quoi? Je ne sais pas. Démerde-toi. On a des choses à faire, nous. On travaille, nous, monsieur. Special project complete. Alors, vaisseau amiral a raisonné. Après avoir âprement combattu pour reprendre les différents ponts, nos Marines ont neutralisé les dernières poches de résistance sur l'ancien vaisseau amiral. Peu de fanatiques ont pu être faits prisonniers, la plupart ayant préféré mourir dans de vaines attaques suicides. La meneuse du mouvement a été retrouvée sur la passerelle du vaisseau, où elle s'était elle-même donné la mort. Il semble bien que c'en est enfin fini avec la Fellowship. Nos ingénieurs sont parvenus à remettre en fonction les moteurs du vaisseau, et ce dernier a rejoint notre flotte sous le nom du Dawn of Creation. Il devrait toutefois être amené aussitôt que possible jusqu'à un spatioport pour y être réparé de façon plus complète. Excellent! Alors c'est un quoi? On sait pas. D'accord. C'est un bon vaisseau. Si, ancien vaisseau. D'accord. Ouais. L'ancien vaisseau. Alors comment je te définis ton port? Je ne sais plus déjà. Comment on définit le port de ce machin? Bah va te réparer au truc le plus proche. Allez vous faire améliorer. Et où est ma petite troupe là? Est-ce qu'on peut vous suicider? Voilà, bravo. Vous avez été suicidé. En mission. On ne louera pas votre sacrifice, on n'en a rien à foutre de vos têtes. Voilà. Félicitations. C'est l'empereur qui l'a dit, hein, c'est pas nous. Nous on sait pas, nous, on obéit aux ordres. Voilà. Petite économie de pognon, hein. Suicidez trois connards, faites des économies. Ok, donc il va à Tipioc, ok. Et ils y vont aussi. Bon bah c'est ça, barrez-vous.
condomime. Point de coque 1200. On peut voir ça a combien de points de coque un croiseur. 1900. Ah, ce sera peut-être un petit destroyer ou une frégate, je ne sais pas. Ce sera un petit vaisseau un peu plus compétitif. Fort appréciable. Ah, et par contre, oui, je rentre de la caillasse un peu aussi. Par contre, ça c'est agréable. C'est agréable de rentrer un peu de caillasse. Ah, j'en aurais fini de ce côté de la galaxie avec toi. Ça c'est bien, je pourrais commencer à aménager de vrais secteurs. Même si j'ai pas pu prendre toutes les ressources, parce que je n'ai pas la recherche qui va bien. C'est un jeu qui déteste me donner les bonnes recherches, quoi. Recherches dont j'ai besoin. Ouais, ça c'est chiant. Ah, scientifiquement, je suis pas vif. Hein. Attends, c'est pas fou. Hein. Ah, j'ai des flottes de 10 000 qui se baladent chez moi comme ça. Tout va bien. Au calme. Ok, LM. Toi et ancien vaisseau. Ah, vous pouvez pas fusionner. D'accord. Je vais être obligé d'attendre qu'il décide que la quête soit résolue. Très bien. Et bien, on attendra. En attendant le premier à finir, je crois que ce sera toi. Et encore, c'est même pas sûr. Non, bah tiens, c'est lui. Quoi, tu. Quoi ? Quoi, tu peux pas. Attends, qu'est-ce que c'est ? Une guerre. Attends, je vais être. C'est qui ? C'est qui la guerre ? Mais t'es un plomb, le gars, ou quoi ? Ah non, c'est en haut, ça n'a rien à voir avec nous. On dit. Alors, tu pimpes pas flotte ? Tu pimpes mon ride ? Vas-y. Ships upgraded. Bravo, il a pimpé les rides. Incroyable. En ce moment, lui, il se répare. Sac à merde, tu te répares ? Ah, il y est pas encore. Voilà, il rame du fion. Oh, il est moche, hein. Oh, c'est un cuirassé. Oh, c'est un cuirassé. Oh, c'est un cuirassé. C'est beau. S'il sera réparé, j'aurai un cuirassé. Bien, bien, bien. Ça fait plaisir ou pas? Ça, je pense, hein. Tu sens le sel. Pourquoi t'es salé comme ça? Arrête ta salaison, tout de suite. Cuirassé, attends, c'est les plus gros, c'est les 4, non? Non, c'est ce que j'ai déjà, hein. C'est ce que j'ai. Les cuirassés. Ça sera mon deuxième cuirassé. Les cuirassés, c'est que ah non, c'est le truc que je vais pouvoir construire dans 30 mois. D'accord. Tu es salé quand même. Pas le savoir. Oui, je suis salé, excuse-moi. L'Empire Klingon, c'est l'Empire que je crains le plus, de toute façon. Le micro-empire, un peu compact, lol. Ah bah arrête, après t'as bien grossi quand même. Non, mais je m'étais entièrement grossi, mais en attendant, j'ai toujours. J'ai 4 planètes quoi. 4 planètes qui rament du cul, dont une petite, hein. Je veux dire, une nouvelle planète, c'est une petite planète. Hein. C'est genre, là, on va atteindre le dernier citoyen que je peux accueillir quoi. Après, c'est fini. A plus place après. Donc là, les 10 de pop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moi, je les attendrai jamais en fait. Si j'ai pas la technologie qui me permet de débroussailler un peu là, les environs, ça va être chaud. Connaissance. Oh, c'est allez, sympa, j'attaque des vaisseaux aliens. Ouais, il va falloir que je fasse pareil d'ailleurs. Faut que je bouge. Ah oui, bah d'ailleurs, oui, tu me fais penser qu'il faut que je bzouque ma flotte. Mais je vais attendre que celui-là il ait fini de se réparer intégralement là. Je pense que je vais me faire défoncer. J'ai pas de croix. En fait, là où tac, il est. Tac. Regarde, je sais pas ce que tu vois. Là, je me pose. Tu vois le fight? Attends. J'essaie de faire les feuilles. Ouais, au beau milieu de ton empire. C'est où, toi? Là où il y a un gros trou, là, mon empire. Ah oui, il y a une petite flottouille là. Regarde là. Menace alien. Tu lui envoies quoi comme steak? Du 4007, du 1008, du. Ok. 4005. Bah t'as bouffé, pourquoi tu prends des dégâts? Bah c'est des croiseurs. Ah oui, il y a une menace alien sur toi, d'accord. Ouais, elle s'affichait pas sur le coup. D'accord. Ok. Bim, 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 bim. Et ça fuit, ça fuit. Et voilà, yes. Une reconnaissance du système. Quoique, est-ce que vous pouvez venir ici? Ça a l'air d'être oui. Ah oui, le petit cuirassé m'a fait passer à 5005 de force. Hein. J'étais à 3000 et quelques, je passais à 5000. J'ai pris 2K direct. Bah ouais, tu m'étonnes, gros, c'est un cuirassé.
C'est pas n'importe quoi. Attends, quand t'auras les titans après. Ah, les titans, c'est du bonheur. Ah, les titans, c'est... C'est du bonheur. Non, il faut le dire. Faut le dire, à un moment donné. C'est du bonheur, voilà. C'est cher aussi, hein. C'est cher, mais c'est long aussi à construire. Mais c'est du bonheur. C'est vraiment cool, pour le coup. Ah oui, on est en train d'aménager, ok. Ouais, je suis en déficit encore. Hein, financier tout le temps, là. Eh, nouveau croiseur, je bouge ma flotte, ça y est, c'est n'importe quoi. Sur la ficelle, mais tout le temps, quoi. Moi qui meule le pognon, c'est dur. Hein. Communication établie. Ah, la troupe des artisans. Là, t'as trouvé des artisans. C'est beau. Anomaly found. Vas-y, enquête sur ton anomalie. Pas de problème. On va suivre la première avant-garde qui traverse tout le monde entier. Oh, putain. Ouais, on va faire les trois combats d'affilée parce que là, j'aurais pas le temps de revenir par là. Hein. C'est long. Hein. Oh, ça a vraiment commencé long. Hein. Incroyable. Oh, je suis dégoûté, je peux plus rien faire sur les planètes, je suis déjà kéblo quoi. Hein. C'était vraiment, c'est bloqué tout de suite quoi. Oh pardon. Santé. Ah. Petite harmonie. Voilà. L'harmonie, c'est terminé. Emplacement d'atout. Alors là, la notion d'autodétermination, hein, les étoiles inférieures, les appels, rien de domination interstellaire et prérogative impériale. C'est les deux que j'ai pris. D'accord. Toi, pour les planètes, bah, ça sert à rien vu que t'en as pas assez, tout ça. Mais il faudrait prendre un truc genre... Ça serait pas bien quand même, hein. Capacité en base stellaire plus 5. Voilà. Bonne journée. T'as pris ça? Oui. D'accord. Oui. Plus 5 base stellaire, c'est pas rien. Pour moi qui ai pas de planète, c'est le bon deal. Je suis passé à 15. C'est vrai que c'est pas mal. Je suis passé à 15 de capacité, on déconne plus quoi. Maîtrise de la nature, ça aurait été pas mal pour toi aussi, hein. C'est quoi, ça te donne coup plus de bouffe? Coup de suppression des bloqueurs, donc ça c'est les trucs qui bloquent là pour la construction sur tes planètes. Wow. Moins 33%. Bah attends. Ça permet l'édite planétaire. Nettoyage des terres. C'est-à-dire cette édite planétaire accroît de façon permanente la taille d'un monde entre 1 et 3 tuiles. Mais ça y est, je l'ai déjà. C'est la première que j'avais prise. Ah oui, tu l'as bête. C'était déjà la première que j'avais. Ça marche? Bah oui, j'ai gagné une tuile sur toutes les planètes où j'étais quoi. Ça avait pas okay. Grand, hein. Ah bah oui, non, ouais, t'as bien fait. C'était dégueulasse quand même. Mais c'était dégueulasse quand même parce que j'ai juste gagné une tuile par planète quoi. C'était vraiment moche quoi. Mmh. Ouais, écoute, c'est bien écrit. Ah quoi que, attends, édite planétaire, faut que je la fasse en décret, c'est ça? Nettoyage des terres. 500 boules. Je paye. Je paye, monsieur. Ça fait quoi? Ah, ça va rajouter 2 tuiles à... Oh oui, c'est bon. Je vais pouvoir passer à 10. Oh, c'est cool. Et je paye. Ah oui, c'est bien, fini. Mais je paye, là. Allô, je paye. Non, ah non, ça, c'est la loi martiale. Non, je paye pas. Non, non, c'était pas nécessaire. Ah, faux. Arrête. Arrête ça tout de suite. Oh, le jeu qui rame du fion, quoi. La fatigue. Je fais... Oh, ça y est, j'ai plus rien. Oh, là. Pas de gouverneur. Elle est pas mal, cette partie, quand même. Hein. Pourquoi j'ai pas de gouverneur? Bon, je vais recruter un gouverneur. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi? Ingénieur, hein, production des tuiles physiques, sociales... Ah, c'est pas mal, mais ici, c'est pas très intéressant. Allez, générateur de bouclier planétaire, je l'ai débloqué. Ici, je peux faire des boucliers sur mes planètes. Attends, en fait, il y a plein d'endroits où j'ai pas de gouverneur. Qu'est-ce que c'est que ce... sur Salakis Prime. Pas de gouverneur non plus. Bon bah vas-y, on va mettre des gouverneurs alors. C'est parti. Recrute ce type. Il est disponible, c'est bien. Tu peux le mettre, Salakis Prime. Tu le mets là. Secteur central. Comment ça, secteur central? Ah, c'est un gouverneur pour tout le secteur maintenant? D'accord. Bah, un gouverneur pour les secteurs, ouais. D'accord, bon, bah, c'est frais, c'est cool. Mais t'as fait un secteur? Non, c'est mon secteur central, principal, c'est le QG, il n'y a plus personne. Mais c'est ton goût. L'empereur avait décidé de se barrer, visiblement. Mais bon, tu sais, c'est... Mort. Bon, c'est... Oui, mais bon, normalement, il se remplace. Bon, là, il n'a pas été remplacé, je sais pas pourquoi. Je sais pas, ils sont en vacances chez moi. Je sais pas ce qu'ils foutent, hein, tu sais, chez moi. Vas-y, enquête. Ah oui, mais c'est parce que j'ai plus de... Oui, il manque 24, du coup. Connard. Le misclickage, il m'a coûté trop cher. Pas désélectionner ce
ne pas annuler un décret. Ma vie est vraiment si nulle que ça. La réponse est oui. Évidemment. Oui, bon bah toi déjà tout le temps que tu te déplaces hein, avant de construire des trucs et des machins, déjà déplace-toi ici, hein, ça sera déjà bien. System survey complete. Ok, tu vas pouvoir venir. Déplace-toi ici. Le vaisseau scientifique, tu vas venir donc là, reconnaissance du système. C'est des systèmes avec un peu d'argent, ça fait plaisir. J'ai besoin d'argent, besoin de recherche. Oh, voilà, je vais mettre un coup de pouce sur la recherche aussi. Sur la physique là. Ça va être pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Stockage de ressources plein. Qu'est-ce qui est plein? Ah, j'ai mis trop de cristaux. Ah bah désolé. Bon bah on va aller voir un marchand. Hein. tu m'étonnes. Moi j'ai pas d'argent, voilà. Communiquez. Bonjour monsieur. J'aimerais t'acheter de l'énergie. Tiens, prends le max. Prends tout ce que je peux te donner. Échange d'énergie. Je sais pas, tu proposes quoi d'autre comme service, petit bonhomme? De quoi? Non, le bonhomme. Ah. Auriez-vous des ressources stratégiques? Non. Non, c'est bon. Voilà. Oui, on est full, on est full bordel. C'est intéressant. C'est intéressant, oui, bon. Faudrait construire un truc ou deux, mais pour construire un truc ou deux, bah faudrait pouvoir construire un truc ou deux, quoi. J'ai une logique implacable, hein, t'as vu, hein, c'est incroyable. Hein. J'avoue que je suis impressionné. Bon. Ah, c'est impressionnant, je sais, hein, c'est ouf. Après, on pourrait partir sur quoi? Sur de la Prosper. Accroissement de 15% de la vitesse des vaisseaux de construction. Construction des chantiers spatiaux et de vitesse de construction des bâtiments, c'est pas vilain. Et moi je peux toujours pas terraformer, oh, ça m'énerve. Réduction 10% de l'entretien des vaisseaux, c'est sexy ça. 10% de l'entretien des bâtiments, mais c'est sexy. Ah, tu vas dans le voilà, dans la prospérité. Ah, je pense que je vais aller sur une petite prospérité, à hein, moins qu'il y ait des problèmes de pognon. Ah, et les centres d'alimentation suscitent du 2 d'influence. Ah, c'est sexy hein. J'avoue, la domination a quelque chose de sympa, l'expansion aussi, tout ça, mais bon, moi, l'expansion, je suis pas trop concerné, hein. Actuellement, si tu veux, je suis pas tellement concerné, en fait. C'est... Oh, le bâtard, il m'a pris un secteur. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard. J'ai le C20T, là, qui a commencé à s'étendre là où je voulais m'étendre, en fait. Il vient de prendre un système. Dans le secteur, en vrai. Il a osé faire ça. Chien fidèle. Ah ouais, là, en plus, t'as plein de lignes, là. Ouais, plein de lignes, oui, non. C'est-à-dire que si je reprends... si je lui prends celle-là, enfin, celle de Dradim, déjà, Dradim, j'isole Tuban, quoi. Ouais. Dradim, très important. Je l'isole, en fait, si jamais je lui prends celle-là. En vrai, tant que le pognon rentre, je pourrais presque me permettre une petite guerre. Mais du coup, j'ai envoyé mon avant-garde nettoyer des aliens un peu partout. Du coup, j'ai plus de vaisseaux disponibles, quoi. Dans 9 mois, je peux construire les croiseurs. C'est beau. On y croit. Très très beau. C'est très beau. Ça va. Bon, l'Empire Klingon a déjà un peu plus de gueule, hein. Plus de gueule que le tien. Voilà, le tien il est moche. L'Empire il est moche. T'es dégoûté? Carrément. Il y a un gros trou au milieu. Il ouais, moche, là, une grosse tache. T'aimes bien laisser des trous au milieu. Le gars fait le style aéré, voilà. Pas... Je suis en train de construire là. À fouiller là, par exemple, à fouiller, tu veux pas les sortir de là. Hein. Les aliens c'est vraiment tes potes, hein. C'est vraiment. Si. Mais moi, mon armée en direction des trucs miniers là. En plus, ça doit générer des pirates d'avoir des trous à cet endroit-là. Bah, pas s'il y a un truc déjà dedans. Ça génère pas. C'est que les systèmes vides. C'est pour ça que je suis en train de rentabiliser, enfin de construire très rapidement. D'accord. Qu'est-ce qui est déjà au plafond ? Je me déplace. Ah oui, bah oui, on est au plafond. On est au plafond tout le temps là. Hein. Faut dépenser du pognon là.
faudrait que je dépense du fric, des cailloux, mais j'ai peur de me mettre dans le mal financièrement le jour où le mec me file plus les 50 crédits, quoi. Faut que je sois à plus de 50 en permanence, en fait. Et j'y suis pas. Ah. Tradition disponible. Alors, maintenant que j'ai fait l'expansion de la domination à fond, dans quoi je vais me diriger ? La découverte, non, m'intéresse pas. L'harmonie. L'harmonie, ça peut être bien pour moi, pour baisser tout ça. 10 swag de cette flotte, quand même, hein. Popopo, hein. Elle a un petit swag. La suprématie, ça pourrait être pas mal aussi. Ok, donc ça, c'est fait. Ils m'ont pris ce secteur là, ce secteur a été exploré. Ouais, enquête. Du coup, toi, faudrait que tu viennes ici, reconnaissance du système. Go. Je peux rien construire pour l'instant. Ah, je suis embêté. Evading hostile fleet. Quoi ? Flotte alien ? Elle est de combien sa puissance ? Oh ouais, mais faut que je ramène les copains, ils sont loin là, les copains là. Quoi ? Elle ressemble à quoi ta flotte alien ? Et zoom là-dessus, ouvre-moi secteur. Une petite flotte de 35, rase-moi ça. Mais rasez-moi ça, arrêtez de vous regarder dans le blanc des yeux, c'est ridicule. Ça va se voir. Ça tirait dessus, puis voilà, c'est fini, voilà, on n'en parle plus. Bon, allez, salut. Alien suivant. Alien suivant, il est là. Go, vous allez ici maintenant. Go ici. Voilà, là, c'est une flotte de 785. Là, c'est décent. Je veux que vous attaquiez ça. Voilà, très bien. J'ai compris que j'étais au max tout le temps. Capsule de survie ancienne. Ah. Special project complete. Donc toi, du coup, t'es bloqué ici, à cause des aliens. Établissons un poste d'écoute sur Chronos. Pardon. Poste d'écoute, c'est ici. Vraiment bloqué, quoi. C'est vraiment... c'est lent du cul. Ah, les destroyers vont arriver. Nice, dans 3 mois. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Bah non, toi, non, pas tout de suite. Il y en a un autre qui a des choses beaucoup plus importantes à faire. J'avais pas, genre, des projets débiles à faire, genre... Research complete. Les croiseurs sont là. Accès aux frontières qui mènent à ce truc là, ok, ça tech, ok, enquêtez, je sais pas, trouver un truc, enquêtez, je sais pas, faites des trucs, débrouillez-vous. Oui, je peux, ah, je termine une technologie, c'est pour ça que je peux faire des choses, nouvelle recherche, rôle de combat basique, réaction à fusion, condensateur de bouclier, ce sont des profs faciles. Oh, je gagnerai 1000 d'énergie si je les défonce. Es-tu des amibes spatiales? Je m'en bats les couilles de tes amibes spatiales. Défonce-les! Je veux de l'argent! Donne-moi du fric, Jack! Argent, argent! Complètement. Rôle de combat basique, c'est chiant, c'est nul. Le disrupteur, c'est nul. Condensateur de boucliers, magazine et surplus d'énergie qui peuvent ensuite être rapidement transférés pour renforcer les boucliers du vaisseau, ce qui est pas vilain. Bon, on va faire le fusion froide depuis le temps qu'il est là. Ah, il y avait un combat visiblement ici, c'était bien. Une attaque rarement, même lorsqu'on les provoque, aussi peuvent-elles sans crainte être ignorées. Je m'en fous qu'elles peuvent être ignorées, elles sont dans mon espace, elles me gênent.
On leur roule dessus. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oh lol, maintenant on va faire pleurer pour un insecte de l'espace, quoi. Non mais c'est New Age. C'est tellement New Age. Putain, il me produit tellement de bouffe. L'espèce que j'ai conquise, là. Ouais. C'est une espèce qui est agraire de base, elle me fait nourriture plus 15%. Et j'ai des bonus sur l'esclavage, tu vois. Encore. Et sur les bâtiments que j'ai mis, c'est-à-dire qu'une ferme, là, avec eux, une ferme hydroponique, machin, sur la planète, il y en a une qui elle me rapporte 14 de bouffe. Juste une. C'est bon, ça. C'est pas mal, ouais. Niveau bouffe, il me produit masse, hein. C'est des champignons, hein. Il plante des champignons toute la journée, là, hop. J'avoue. C'est le retour du sacro-saint champignon farci. Ah mais c'est la folie niveau bouffe là. C'est la folie niveau bouffe. Oh pardon. Ah, dis donc, il n'arrête plus hein. Oh le coca hein, voilà c'est mauvais pour ce que vous avez. Tout est dit. Ah mais voilà, je vais dépenser mes cailloux comme ça, c'est très bien. Très bonne idée, bravo. 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 C'est pas dingue comme façon de dépenser mes cailloux. Upgraded. Bon. Ships upgraded. Et lui, il est bloqué. C'est-à-dire, j'ai un vaisseau scientifique bloqué. Ça me tue, ça. Ça me tue, donc il va falloir que j'aille tuer des aliens. C'est incroyable. Oui, on peut facilement les ignorer, machin, machin. Ah, tu peux pas bouger, ouais, c'est ça. Ouais, on peut les ignorer, maman. Blablabla. Blablabla. C'est du blabla. Allez, tu peux aller bloquer l'autre secteur. Complete. Je vais me construire en avant-poste là. On va bien à droite là. Ouais, je vais essayer d'aller le bloquer un peu là. Le problème, c'est que du coup, ça fait pas mal de frontières sur lesquelles il faut que je me dev. C'est un peu longué pour ça. L'avant-garde. Non, non, mais arrête de discuter pendant 1000 ans là. Défonce-moi ça. Montre-moi ce truc là, voilà. Ah, 915 quand même, là, ça commence à avoir des vraies puissances, hein. Ouais, ouais, les amis, bah, ils attaquent jamais, ouais, mon cul, ouais. Cette saloperie communiste. Pourriture de démocrate. De. Comment dire, de. Juste une démocratie, on dirait un démocrate, quoi. Voilà, c'était très bien. Bon, on les a rasés, c'était cool. Voilà. Tu gagnes combien tes recherches en haut, là, toi? Moi, je suis à plus 43, plus 103 et 88. T'as combien, toi? Combien, toi? Scientifique, 143. Ah oui, d'accord. Social, sociétal, c'est 103. D'accord. Et ingénierie, 88. D'accord. Connard. D'accord. Pourquoi t'es à moi, toi? 67, 45 et 33. J'ai un tout petit empire. Ne l'oublie pas. Ouais, mais après, c'est la dernière suite. Je suis l'empire de Bosch. Est-ce que j'ai assez pour consommer? Non, j'ai pas assez. Hein. Et pas assez, hein. Manque 13 ennemis, hein. Putain, j'aurais jamais dû faire ce décret débile, hein. Oh, ça. Il m'a saoulé ce décret débile. Lequel? Bah, j'ai fait un décret. Tu sais, j'ai cliqué sans faire exprès la loi martiale. Il m'a avalé encore tous mes points d'influence, là. Oh là là. Allez, on va se débarrasser d'eux, là. Construction complete. Incroyable. Ah, c'est bon, ça c'est fait. Très bien. Ça, je peux pas l'étudier tant que ma flotte n'est pas arrivée dessus. J'ai besoin que ma flotte vienne ici. Voilà. Faites un tout droit, les mecs, on n'a pas le temps. Vous réparerez plus tard. D'ailleurs, plutôt que de m'étendre vers le sud, je viendrais plutôt bloquer l'autre connard par là, je préférerais en fait. Donc, voilà. Il y a des jolis secteurs par ici, hein. C'est un peu chiant de laisser tomber tout ça, quoi. Allez, vas-y, hein. Fais ici. Je maîtrise déjà le point où on est. Ok, il bosse encore par là.
J'en ai pour 1000 ans pour que la première garde elle arrive là. Waouh. System survey complete. Ah, c'est un avantage d'avoir des hyperlignes fermées en bout d'empire, mais par contre, quand t'as besoin d'avoir une flotte qui caille d'un côté à un autre, tu fais tout le tour pendant 1000 ans. C'est génial. Quoi complète ? Type désertique. Ok, très bien. C'est vu, c'est fait. Ouais. Faire cette reconnaissance ici, ça serait bien. Tellement pas de points, c'est terrible. Hein. C'est moche. Construction complete. Tac, là je vais. Ok, donc ça je fais ça. Ok. D'ailleurs, j'ai pas une. Pas les stations dans les planètes là. J'ai pas une planète. Ouais, c'est ça. Hein. Vanek Prime. Paf, du coup, qui peut s'agrandir. Très bien. Construis-moi un labo. Très très bien. D'ailleurs, je pourrais construire aussi un autre bâtiment ici. Plutôt que de faire un monument autochtone. Est-ce que je ferais pas mieux d'attendre un peu de pognon pour faire un vrai bâtiment? On le remplacera. On le remplacera, en attendant ce sera... Ah non, je peux faire les dômes du paradis, c'est vrai. C'est vrai que c'est plutôt cool aussi. Hein. C'est vrai que c'est pas déconnant, quoi. Ouais, un dôme du paradis, sympa. C'est vrai que je peux faire ça maintenant, c'est un petit swag. On va pas se mentir. Voilà. Ok. Ça, c'est plutôt cool. Ouais, ce vaisseau scientifique toujours bloqué, hein. De toute façon il continuera à rester bloqué désespérément. Ah, toi tu vas pouvoir claquer toute notre pognon, vas-y, on fait d'abord les stations de recherche pour le coup. Pour le coup, est-ce qu'on n'a pas besoin de cailloux? On n'a pas besoin de trop aménager du caillou, en vrai. Ah, ils sont à mi-chemin, à peu près. Ça va, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ouais, la base de Skyriok, ouais, c'est une bonne base là pour le coup. Skyriok qui pourrait peut-être être renforcé, parce que je crois qu'en défense, ils ont rien, c'est ça. Ils ont moins que dalle, quoi. Special project complete. Oula, alors, éthique professionnelle des drones miniers, les drones qui extraient inlassablement les ressources toujours plus rares des planétoïdes sur lesquels ils travaillent constituent un sujet d'étude certes un peu ennuyeux mais néanmoins très instructif. De fait, les réseaux miniers de Kronos pourraient profiter d'une optimisation des cadences d'extraction tout en économisant de l'énergie. En outre, nous avons découvert que les drones ne sont pas totalement muets, de temps en temps ils émettent des signaux, quoique de façon irrégulière et sur une longueur d'onde difficile à distinguer du bruit de fond. Savoir s'il reste quelqu'un pour capter ces transmissions sera un autre mystère à éclaircir. Alors, soit je confère les modificateurs destruction des drones, se traduisant par dégâts infligés aux anciens drones miniers plus 33%. Ça, ces autochtones sont fascinants. Et non, pour plus 5 de minéraux. Moi je m'en fous d'extraire plus. Détruisez-moi ces connards. Ils n'ont pas le droit de parler. Y'a pas de... Discute pas là. Pas de discussion. Construisez-moi une plateforme ici. Research complete. Oh, fini une recherche. Oh oui, le destroyer est arrivé. Sans se presser, hein. Sans se presser, mais il est arrivé, hein. Alors, j'ai le blindage de cuirassé qui tombe. Oh, j'ai un milliard de trucs. Le blindage en cuirassier, le level 4, monsieur. Oh, mais je peux faire le croiseur. Oh, je peux faire la forteresse stellaire.
Oh non, mais c'est violent. Le croiseur. On passe directement au croiseur. Nice. Frappe un destroyer, c'est mort. Capacité de stockage d'énergie plus 5000. Ouais, mais non, j'ai pas trop en fait. Hein. Pas trop le. Non, ça j'ai pas là. C'est un peu. Dommage. Hein. Siphon énergétique, je sais pas ce que c'est nul. Patrimonial, entretien 2. Ça coûte une blinde, va mourir. On va faire du déblayage pour exploiter au mieux notre planète. Station Chronos, on peut améliorer notre puissance, tout à fait. Je paye. Oui, je paye. Oui, je paye tout ce que vous voulez, là ça me fait plaisir de payer. Oui, je veux raquer, laissez-moi raquer s'il vous plaît. En cristaux, hein. pas en pognon, mais laissez-moi raquer sinon. Donc là, je peux faire des corvettes ou des destroyers. Wow, on va se faire une petite flotte de 10 destroyers, je pense. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, la base. Paf. Fais-moi ton avant-poste. Jean-Michel. Ouais, c'est bien. Construis-moi tes mines. Non, mais c'est bon, lui. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Bah, lui, il est bloqué jusqu'à que quelqu'un puisse arriver le débloquer. Voilà, toi, t'as fini, ok. Je vais venir jeter un oeil par là et on aura exploré la pointe. Pas très bien. La majeure partie de la solide a été ciselée au laser avec une grande précision pour former ce qui semble être un petit temple ou un grand hôtel horacien. Un hôtel dédié à l'indicible, la grande divinité destructive des anciens cultes horaciennes. Ce temple errait déjà dans le vide spatial bien avant que nous soyons capables de voyager dans l'espace, ce qui est très troublant, voire terrifiant. Naturellement, l'officier scientifique Rodrigue Dem Piriam nous encourage à rechercher d'autres objets CS présentant les mêmes caractéristiques que ce temps spatial. A été enregistré une liste de candidats potentiels des systèmes alentours dans le journal de bord. Il vaudrait mieux peut-être s'abstenir. Allons-y. Allons-y, on est en paix, on s'en fout, on a le temps. Ouais, pour une fois qu'on a le temps, on a massacré tout le monde pour ce café, les mecs. En plus, ils sont tous dans mon système, les trucs. Carrément. Ok. La première avant-garde, vous êtes où? Oh, vous êtes longs, les mecs, vous êtes longs. Vous aurez un officier. Construction complete. Officier attribué. Bravo. Voilà. 1038. Pas si balèze que ça comme vaisseau. Pour l'instant. Il use vaisseau. Ah. Et je suis censé faire quoi avec ces hôtels? Un hôtel recherché. Ça dépend, tu peux faire l'américain, tu peux tout piller. Non mais je comprends pas les. Ce que je dois faire, c'est avec le vaisseau scientifique, le vaisseau de construction. Bah regarde dans ton journal de quête, tu vas te dire de ce dont tu as besoin. Journal de bord, deuxième hôtel. Voilà, ça y est, ça commence à rendre des vrais vaisseaux là. Paf. Oh, ils sont là, ils sont arrivés. Incroyable. J'ai une corvette qui a vraiment morflé là. Dans le groupe. Ah ouais, j'en ai une qui a morflé quand même. J'en ai qu'une. Ouais, une ou deux quoi. Qu'on commence à douiller et qu'on pas encore le blindage de récup. Construction complete. Ships upgraded. Oui, ouais, putain. Ouh, là, oh, d'accord, il n'existe plus quoi. C'est vraiment, je leur ai roulé dessus sans distinction quoi. Sans pression quoi. Ouais. Je crois qu'ils ont même pas eu le temps d'abîmer un vaisseau. Nouvelle recherche, c'est parti.
Le centre d'alimentation 2, oh ça serait pas mal, mais le labo de physique 2 est tellement plus sexy. Voilà, centrale 3 est extrêmement sexy. Ah, tout est sexy, hein. Et je vais prendre le labo de physique parce que vraiment, en technologie, je suis tellement à la ramasse, tellement horrible. Ah bah, vous les gars, retour maison. Hein. Allez. Du coup, première avant-garde c'est fait, la première garde est en cours de construction. Le vaisseau scientifique peut venir ici me faire une petite exploration du secteur. Tous mes vaisseaux sont du coup occupés, ça y est, j'ai réussi à occuper tout le monde, c'est beau. La première avant-garde spatiale qui peut tout de suite recevoir une amélioration. Allez, la première garde. Zblu. Ça part sur une base de Zblu. Ah oui, et puis tous mes vaisseaux qui peuvent recevoir, bien sûr, une amélioration de leur défense. Bien sûr. Non, pas toi, du coup. Parce que tu n'as aucun vaisseau... Non, tu n'as aucune plateforme défensive, évidemment. Incroyable. J'aurai plus de thunes, hein. Dès que mon contrat va se finir, j'aurai plus de thunes. Terrible, hein. Je gagne que 27 et j'ai un contrat de 50 qui me permet de gagner 50. Je vais me retrouver à moins 23 dès que mon contrat va se terminer. Ça va être terrible. Hein. T'as pas encore la technologie pour les... Ils t'ont pas encore proposé la technologie là pour les centrales ? Si, mais j'ai pris quoi d'ailleurs ? Je sais plus ce que j'ai pris. Ah, j'ai pris le labo de physique 2. Hein. Je rame tellement en technologie, faut que j'avance quoi. Parce qu'en plus c'est dans le même domaine où on développe ressources stratégiques découvertes, du minerai d'aurélium. D'accord, très intéressant. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est très intéressant. C'était pas toi qui l'a découvert, c'est toi donc qui l'a découvert, d'accord. Extraction d'aurélium. Les points de vie des boucliers plus 20%. Ah oui, c'est beau d'en avoir quoi. C'est beau. Ça c'est fait. 4 destroyers, j'ai que du 731. C'est pas ouf. Pas ouf la puissance de feu des destroyers. Fait 1005 à peu près les 10 quoi. C'est pas ouf. Oui, amélioration de mes corvettes, hein, vas-y go. Hein. Part sur une petite. Et votre référentiel sera Ziris. Assigné à cette base. Et une fois que vous aurez été upgradé, vous bougerez de base. Ah bah ça y est, visiblement c'est construction fait. Complete. Alors je sais pas du tout ce que je dois faire avec ce truc, ils me disent que je peux rien faire avec le vaisseau scientifique, ni de construction. Je peux pas faire de recherche, je sais pas ce que je dois faire avec ces hôtels. Il y en a pas dans les systèmes, je les vois pas, je sais pas ce que je dois faire. Je ne peux pas te dire. Hop. Quand on sera en avant-poste ici, on va fermer la zone. Le petit cas pour qu'on ait saut pour cette vaisseau. Ah, c'est le viseur du cul. Hein. Pas beaucoup de puissance dans l'histoire. Fluide de terraformation. Faut y accéder. D'accord. On va aller voir ce que c'est. Fluide de terraformation. Où est-ce ? System survey complete. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Cette reconnaissance de ce système. Fluide de machin. Il y a un million de trucs. Ça fait vitesse de terraformation plus 25%. Ah oui, c'est pas dégueu. Attractivité des technico-orientales plus 25%. C'est pas dégueu non plus. Il y a des trucs assez sexy dans le coin, dis donc. Non, c'est pas ça. C'est toi que je veux. T
Dites-nous quelque chose que, que nous ne savions pas. Qui pourrait vous intéresser, nous avons noté un système solaire. Ah, il m'a donné le mystère de l'univers. Il m'a marqué un système. Ouais. Ok. J'ai acheté des coordonnées à un mec avec un système qui paraîtrait bien. Pourquoi pas, hein? D'accord. Parce qu'en fait, tu peux leur demander. Okay. Pourrions-nous recruter un de vos meilleurs scientifiques? Que savez-vous à propos des portails? Ah, mais t'as pas fini ta reconnaissance du secteur. Oula, reviens ici. En fait. T'as vu avec le. Je sais pas, t'as déjà vu l'enclave des conservateurs? Oui. Tu peux leur acheter des informations sur certains systèmes qui paraîtraient bien, tu peux leur acheter des scientifiques, des trucs sur les portails et tout. C'est pas trop mal. Quand t'es blindé d'argent, c'est pas trop mal. Savade et un monde arctique. Oh là 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 là, il y a tellement de trucs sexy dans le coin, mais. Chips upgraded. Non mais. Merde. Ok. Aménage. Aménage tout. Ah, j'avais la version 2 pour le. Ah, bah oui, je l'ai de base. Suis-je bait. La science, allez, dans 3 mois on peut tout débloquer sur cette planète, ça va être bien. Ça va être une bonne chose. Il y a un peu de défense quand même. D'accord, il fait l'amélioration de l'avant-garde, ok. Très bien. Ok, très très bien. Et du coup, la première garde, elle tombe à 1004 avec 10 vaisseaux. Putain, c'est pas ouf, hein. Les destroyers coûtent très cher en points d'entretien et je trouve que la puissance de feu, c'est pas ça. Bon, c'est peut-être parce qu'aussi les corvettes... Attention, c'est peut-être parce qu'aussi les corvettes bénéficient quand même d'un max d'amélioration à ce stade du jeu aussi. Ouais. Faut pas l'oublier. C'est pour ça que les corvettes commencent à être quand même assez sexes de manière générale. Oh, il y a beaucoup de bonnes choses, c'est chiant. Je sais pas quoi prendre, ça me fatigue. Moi, je suis en manque de points d'influence depuis avant, c'est ouf. J'ai envie de prendre le biolaboratoire, pareil, pour encore une fois accélérer la science, quoi. Ah bah ouais, déblayez-moi tout ça, hein, les mecs. Hein. Déblayez-moi celui-là. Déblayez-moi celui-là. Et déblayez-moi ce truc-là. Voilà, c'est magnifique. Incroyable. Carlos, il n'y a toujours pas fini, quoi. Il te reste combien de trucs à faire, là? Ah, il y a un autre. Après, c'est bon, il est fini. Donc, j'ai un secteur. Si tu voyais, tu voudrais me le voler. C'est vrai. Ah bah oui, là, si tu regardes du côté Forbidden Nebula, c'est la partie à droite là que je suis en train de coller à l'autre empire nul là. Juste au-dessus de Forbidden Nebula, il y a un truc qui s'appelle Enzendon là. Construction complete. Je suis en train d'explorer avec deux vaisseaux. Complete. Et planètes, ouais, voilà que je viens de finir d'explorer, littéralement. Il y a deux planètes, mais il y a du fluide de terraformation, du minerai d'Aurelium, du gaz de Satramen, 6 de recherche, ah oui. Enfin c'est... Le jour où je vais pouvoir terraformer, ouais c'est ça, hein. Le jour où je vais pouvoir terraformer, je vais être bien. Le jour où j'aurai la technologie bien, pour. Moi, je voudrais bien savoir là, terraformer là, putain c'est chiant. Allez, du coup j'ai pas pu prendre le bureau. Yes.
famille. Tac, tac, tac. Photographie. Moi, ouais, c'est vraiment les okay. points d'influence. Hein. Les points d'influence, c'est ce qui manque le plus. Hein. Là, ouais, moi, c'est ce qui pique aussi un peu chez moi, là. Je te cache pas. C'est ce qui me fait me retenir, enfin, qui me fait me... Qui te ralentit. Que je sois très lent. Ouais, ouais. C'est ça. Ah, bah, en même temps, regarde, moi, quand tu vois ce que je me suis étendu, là, en peu de temps, deux épisodes, là, deux ou trois épisodes, là, j'arrête pas de m'étendre, t'imagines le nombre de stations spatiales que j'ai dû construire. Ah, tu fais bon. Ah ça met une claque au nous. Point, quoi. Complete. Oh, par contre, je suis mal, je gagne pas de thunes, je gagne tant fois sans moins de thunes, ça veut rien dire. Je suis tellement fou, c'est tellement fou le déficit chez moi, c'est dingue. Ah ouais, chez moi le déficit il est fou là, je gagne que 20 thunes. C'est-à-dire que quand j'aurai plus mon contrat, où je deal mes 100 minerais, je vais être à moins 30. En fait, mes stations spatiales me coûtent extrêmement cher. Et du fait que j'ai pas de planète ouais, pour en... Parce qu'en fait c'est les planètes qui t'engrangent du pognon hein, en vrai. Hein. C'est elles qui font ta rentabilité. Hein. Du coup, bah, c'est la douille ultime quoi. C'est la grosse douille. Ah, il va presque se toucher ici. Hein. L'enfoiré. Faut que je le coupe. Les autres ils ont 18 planètes quoi. 18 putain de planètes. Ah, à première vue on vient de découvrir un nouvel emmerdeur. À voir. Ah non, c'est d'accord, c'est pas un emmerdeur, c'est un marchand. Heureux de le rencontrer, du coup. J'aime les gens qui aiment l'argent. Ah bah il est... Ouais, il est juste au sud, là, de toi. Au tas tes vaisseaux scientifiques. Presque dans le territoire du mec. Ah oui, d'accord, je vois. D'accord. Ok. Je visualise. Faut que je ferme cette zone. Faut alors que je vienne sceller ça au plus vite. Mais bon. Le plus vite, c'est quand même très rigolo. Seventy Unity. Seventy, c'est toi, hein. Oh, tu m'as insulté. Yes. Ok, alors. Toi, par contre, je vais répondre. Toi, le Seventy, ton empire m'intéresse énormément. Je sais que tu es sans aucun doute plus fort que moi. Oh, il est où ce connard? Il est là. Il est supérieur à quel niveau? Puissance de flotte équivalente, capacité navale supérieure, et sa technologie est équivalente. D'accord, très bien. Communiquer avec ce monsieur. Avancer des revendications, qu'est-ce que je veux? Je sais pas, donne-moi ça. Voilà, je veux ça. Ça me coûte 84. Ah bah vas-y, bah j'avance les revendications. Hein. Est-ce que je peux t'insulter? Voilà, je confirme. Voilà. Je vais pisser à l'arrêt. Voilà, ça m'a fait plaisir. Ça m'a détendu. Ça m'a coûté très cher en influence, mais bon, ça m'a détendu. Je serai légitime le jour où je voudrais l'envahir. Oh! Et ça va être très très long. Oh, ça va être très très long. Moi je propose de mettre fin à cet épisode qui est déjà beaucoup trop long, qui va faire 2 heures. Hein. Hein, on fait des bisous à tout le monde. Hein. On fait des bisous à voilà. Tout le monde. Allez, à la prochaine. Un pouce bleu. Hein. Ou deux. Un pouce 3, bleu. Vous voyez, vous débrouillez-vous. 19, 47. Et le complémentaire, le 12. Des bisous.